Excusez-moi. J'ai un monstre dévasté. Ah là là. Bon. Ah, de retour. De retour pour Halloween. Donc ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire pas de fond vert. Waouh. Regardez. Je vous dévoile maintenant tout le décor. En fait, vous voyez ces draps qui sont derrière. Oh, ouais, c'est juste que c'est l'idée de ma mère qu'elle avait proposé de faire. C'est-à-dire, ça m'était de me cacher quand j'étais en train de jouer. Donc bon, voilà. Clairement, c'est la sorte. Mais voilà. De retour pour Halloween. De retour pour Halloween avec cette soirée de Scooby-Doo. Qui est maintenant devenu un rituel, limite. Hein. C'est maintenant... tous les mois d'Halloween, il y aura forcément un Scooby-Doo. Voilà. On va... Je ne sais pas si on va faire à 100% tous les jeux Scooby-Doo, parce que, bon, il y a par exemple le joueur du grenier qui avait parlé de l'Atari, etc. Mais il y a une bonne centaine, hein, je pense. Donc, clairement... voilà, on ne va pas faire non plus tous les jeux. On va prendre les jeux qui peuvent être intéressants et très drôles à faire. Et que je pense que c'était juste aussi par rapport à la nostalgie, parce que, par exemple... Parce que, par exemple, je vous le dis et je vous le remontre, mais j'ai retrouvé la boîte Scooby-Doo 2, le film... C'est-à-dire dans la vidéo où je me suis trompé de boîte CD, ça, mais je l'ai retrouvé. Donc à tout moment, regardez ça. Ça s'appelle un lecteur CD externe. Donc à tout moment, ça plus ça, ça va être une soirée de merde. Non, ouais, je pète un câble pour rien, mais bon. Mais voilà, en tout cas, ça veut dire que à tout moment, si je retrouve d'autres jeux Scooby-Doo qui étaient sur CD-ROM, etc., je pourrais le mettre et je pourrais, on pourrait y jouer et découvrir d'autres. Parce que sur Abandonware France, ils présentaient des jeux. Mais il y en avait un d'une autre série de ce qu'on va faire ce soir. Qui est quand même d'autres épisodes. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ne montraient pas les... Il n'y avait pas les deux autres épisodes. Donc bon. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut... Il faut attendre. Mais je sais qu'est-ce qu'il vous faut. Il faut bien sûr... le meilleur comédien du monde qui rigole, qui est prêt à rigoler, qui aime bien les Scooby Snacks. Je vais l'appeler. Hé, hey, Boquette, des petits Scooby Snacks, ça te dit? Voilà, j'attends juste qu'il rejoigne l'appel. Voilà. Bon, sinon, ça va le chat qui arrive? Ça me dit. C'est bon. J'allais dire ça va le chat parce que t'as mis pas mal de temps. J'étais en train de terminer mon couscous. Il reste encore des morceaux. Enfin, il me reste encore un petit peu de semoule. Du coup, j'étais en train de manger ça. Et du coup, tu as dit ramène-toi. J'étais en mode oh. Oh putain, c'est Samy. Mais écoute, me voilà. J'ai maquillé ma caméra normalement. Voilà. Donc, attention, le voilà. Le cran et le sublime Voquette. Merde, c'est pas la bonne cam. vite, je me trompe. Voilà, bonsoir, clairement. Bonsoir, clairement. Je me suis trompé. Je suis allé au concert. Là. Je commence à avoir une crampe à la main. Alors, si vous pouvez me mettre. Alors, ouais, pas de souci. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici Boquette. Bonsoir. Vraiment, vraiment sur 10 frames pour le montage, je vais devoir garder ça. Hein. Donc voilà, donc là, il est en train de siroter quelque chose, je pense. Ah putain, toi aussi, t'as un truc comme ça? Du sang. Non, mais ouais, t'as un truc comme ça aussi, ouais, les petites bouteilles comme ça pour. Ouais, à la base c'est pour les smoothies ou pour les milkshakes, je sais plus, mais. Attends, je vais juste faire un truc, je vais débrancher vite mon micro et je vais remettre bien mon pied de micro parce qu'il se barre un peu en couille. Bon, pour l'instant, en attendant qu'il règle ces petits trucs, je vais raconter un peu la petite histoire pour tous qui sont nouveaux, qui arrivent, etc. Tout simplement, j'ai grandi avec des jeux Scooby-Doo. On a fait le premier qui était au château et du coup, on s'est dit. Allez, on continue ans à faire du Scooby-Doo. Et, ouais, et puis moi Scooby-Doo, c'est mon enfance. C'est un petit plaisir. Il a littéralement regardé, pas toutes les séries, mais il a regardé notamment la série où, auquel... Mystère Associé récemment, là. Ouais. Où, je crois, alors c'est ça, cette série, justement, où ça suit par épisode. Ben, tu sais, c'est la série qu'on avait commencé à regarder, où en gros, il y a une intrigue. Ouais, c'est ça. Il y a une intrigue de fond, et après... Chaque épisode a une histoire différente, mais il y a toujours plus ou moins quelque chose en commun, quoi. Tout à fait. Et allez, coup, banger voilà. De fou. Et avant ça, qu'on commence à lancer le jeu, tout ça, j'aimerais rendre hommage à Dubois, Sayo Kao, Dax, ou on peut l'appeler directement Max, qui,
qui est tout simplement une personne que, avec qui je fais tout le temps des soirées d'Halloween, mais il aurait pu faire ce week-end là, mais malheureusement le boulot l'a rattrapé, donc on te rend hommage mon petit Max, et peut-être l'an prochain. On l'a gardé au chaud. Dévasté encore, mais bon. Putain, ils ont pris son boulot. Non mais voilà, du coup, l'épisode qu'on allait faire pour avec lui, on le garde au chaud pour l'an prochain. Donc du coup, on a décidé d'aller au Western. Avec, ouais, comme nom, je trouve le jeu. Panique dans la ville fantôme. Suite. Ah non, ouais, c'est Panique dans la ville fantôme. La poursuite du diamant vert. Un peu ça. C'est Panique dans la ville fantôme. Parfait. Mais voilà. Écoute, ouais, quand tu pourras, tu me lances le partage d'écran. Tout à fait. Là, il y a le jeu qui se lance. Je mets juste... Ah oui, 30 FPS. Voilà. 1080p, ça devrait suffire quand même. Voilà. Oui, oui. En fait, le problème, c'est que j'aimerais bien pouvoir mettre le chat à côté. Ah oui. Il n'y a pas un moyen d'ouvrir le chat, tu sais, sur une autre fenêtre? Ah putain, est-ce que... Ah, attends, j'essaie de savoir si... Attends, j'essaie de voir... Pour ah, mode fenêtré. Ok. Parce qu'en fait, le problème, c'est que du coup, j'ai quitté le live. Il faut que j'ai c'est le jeu d'ouvert là. Ouais, attends, d'abord, je pense qu'il faut que d'abord je fasse ça. D'abord, il faut que OBS capte le jeu et ensuite. D'abord, je relance juste le jeu tranquille. Vas-y, fais ta vie. Juste que j'ai quand même. Sur moi, je suis encore à moitié en train de boucler. Regarde si c'est. Attends, peut-être qu'il faut d'abord que je le considère. Attends, d'abord, je vais faire ça. Voilà, on va faire un peu ça. Ok. Ça prend le jeu, c'est bon. Maintenant, je peux te le streamer. Voilà. Parfait. C'est bon. Bon, si la fenêtre elle a bugué à un moment, c'est pas de souci. Hein. C'est juste que vu que le retour Windows, tout ça, voilà. Ok, moi je vois bien. Alors, c'est peut-être un peu fort. Je vais juste réduire un peu le son pour les viewers et tout ça. Hop. Je vais le mettre à. Allez. 50, je me souviens plus combien je l'avais fait pour l'autre, mais on va laisser 50, ça m'a l'air pas mal. J'écoute. Bon voilà, ça m'a l'air pas mal. Ce sera un peu mieux que du vraiment du gros bruit, parce qu'à chaque fois, l'introduction, elle est forte. Mais voilà, Panique dans la ville fantôme. 2001. Alors on mentionne. Hein. J'avais 4 ans. On a besoin d'aide pour résoudre cette énigme. Et tu ne veux pas taper ton nom avant de commencer? Putain, je voudrais bien taper mon nom, mais... Ah. J'ai peur que des gens m'ajoutent sur Facebook, là. T'appelles Spooko Geek. Spooko Geek. Ah bah attends. Non, mais on dirait que c'est des bruits de paix quand je sélectionne. Il a des gaz. Tu sais, c'est un peu le gag de... Dis-moi, t'as une idée de son effect à faire pour le menu? Voilà, ils ont pris ça. Ce spook. Et attends, ce spook. Doux. Attends. Voilà, c'est ça. Ce spooky doux, j'allais marquer. Spooky doux. Ah, j'ai plus assez de place. Bon, bah, ce spooky, voilà. Ouais, méga, géant, super, génial, en route. Oh, Bob Lennon, tu te calmes? Ah, le retour, hein. Inquiétant. Ah, c'est inquiétant déjà. Effrayant. Effrayant. Ah, il prend un peu plus le temps, là. Attends. Étonnant. Genre, c'est un peu plus royal, tu sais. C'est vraiment étonnant ce que vous faites ce soir. Mais comment sur un jeu comme ça... La difficulté, ça s'augmente, c'est qu'il y a plus d'énigmes, les énigmes sont un peu plus galères, bah, c'est quoi? Je crois que c'est la difficulté qui doit changer, et aussi que par exemple pour les indices, parce que pour ce qui rappelle à la fin, c'est avec le nombre d'indices, ça, c'est qu'il y a moins d'indices, enfin il y a en quelque sorte j'imagine que étonnant, c'est-à-dire que par exemple les 5 indices, ils sont tous le même et c'est facile à deviner. Et effrayant, ça doit être genre 2 ou 3 qui sont identiques à un personnage, tu vois. On met quoi? Allez, effrayant. Bon, allez, on va mourir. Quand le jeu il contient du sang. Hein. Effrayant. Allez, c'est parti. Oh, il y a un lapin, putain.
Bambi, ça a changé. Oh non! Oh non, il s'est échappé. Los Poitos. Oh, il a perdu le contrôle. On a fini par trouver. On pourrait peut-être y déjeuner. Oui, bonne idée. Chaque fois, les animations me tabassent de rire. J'ai bien peur qu'on ne trouve pas de marchand de hot-dog par ici. Chaque fois, j'ai envie de dire d'après mon petit. D'après la carte, Los Burritos est une ville fantôme. Fantôme? Il n'y a pas de fantôme. Ça veut juste dire que la ville est déserte. Oh, je le savais. On était juste. Bah. On verra. Quel bruit ferait un fantôme? Le mec a fait de la musique. C'est une bonne question, Samy. Trouvons l'origine de ces cris. Ok, là cette fois-ci. Alors, dites-vous que encore. D'où viennent ces gémissements? Quelle direction devons-nous prendre? Ah, ok, c'est moi qui sais. Bon, du coup, pour résumer un peu les gens, etc., c'est que moi j'avais déjà fait le truc médiéval, bien sûr. Mais voilà, là ça va être totalement nouveau, donc à tout moment ça peut être facile comme difficile, hein, pour moi. Bon, déjà je vais réveiller le corbeau. Ça, je connais ça. Si tu tapes corbeau MP3, tu peux trouver sur YouTube. Bon, allez, je te laisse en vedette quand même, Vic, je te laisse quand même la direction. Soit en haut, bon. Soit à droite, soit à gauche. On va au milieu, on va au milieu. Bah, pas question, je ne bougerai pas d'ici. Même oh, moi non plus. Je crois qu'il nous en reste un. Oh putain, pas un miracle, hein. Oh, cherchons encore, nous trouverons bien quelque chose. Ah, le bâtard. Allons-y. Allons-y. Petit boule, là, hein. Les cris sont loin. C'est pas le moment d'avoir peur. Il nous faut trouver d'où vient ce gémissement. Alors, il y a les tickets, il y a la porte. On dirait qu'il y a marqué RPG, quoi, tu vois. RPG bazar. Tu peux essayer d'y aller, mais ça a l'air d'être fermé, le RPG bazar. Bah, attends, on va aller regarder. Bazar. Merci, Scooby. On est mieux ici. On entend moins les gémissements. Ce n'est donc pas la bonne direction. Comment la lettre G, elle est tellement cliquable. Ah, c'est pas la bonne direction, elle a dit. Donc on doit. Ouais, mais regarde comment la lettre G, elle est tellement cliquable. Ah oui, l'horloge. Ça se voit à 10 000 km. Hein. Attends, je vais essayer. Cet endroit me plaît. Les cris sont loin. C'est pas le moment d'avoir peur. Il nous faut trouver d'où vient ce gémissement. Non, mais par contre, en vrai, Vic, je suis désolé, mais je vais devoir chercher où est le chemin parce que si à chaque fois ils font en reculant, à chaque fois dire. Ah, c'est bon, je suis tranquille ici. Mais normal, Scooby, on est à la plage, là. Los si je peux me permettre, Los Burritos, c'est un peu raciste. Hein. Ouais, mais c'est... bon... J'allais rien dire. Hein. Merci. Los Tequilas, Los Faritas, on peut faire... Los Salsa. On peut faire la totale. Hein. Oh, des traces de pas. Coucou. Les gémissements sont de plus en plus forts. Donc nous sommes sur la bonne voie. J'ai envie de dire coucou. c'est coucou dans le saloon. Miss J. Bon, d'accord, merci Samy de cette intervention. Des empreintes. Bon, on va dans le saloon, hein, de toute façon. Ouais, de toute façon, je pense que ça va être ça. Hein. Bah, il faut suivre les pas. Ah oui. Oh. On a trouvé l'origine de ces gémissements. Allons, donnons-lui un coup de main. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Tu sais, c'est le mec qui se passe le nez, mais aussi il cache sa bouche. Il fait toujours de moi, s'il vous plaît. Et pourquoi il dit ouvrez la porte? Il est sur une chaise. Peut-être c'est au-dessus. Voilà. Merci. À présent, trouvez les clés pour me libérer. Elles sont dans cette pièce. Ok. Cherchons des clés. C'est pas le truc rouge sur la table. Ah, j'ai envie de dire, ouais. Attends, j'essaie de la bien viser. Ah non, c'est des cartes. Ah, ok. Oh bah. Une clé sur trois. Eh, on n'est pas des intellectuels un peu là? Clique sur le piano, je suis sûr, ça va faire de la musique. On dirait un ancien piano mécanique. Je me demande s'il fonctionne. Non, je suis dévasté. Mais regarde. Formidable. Elle était là. Une clé mais. Sur trois. Mais. Comment ça, une clé sur trois? Tu viens de nous spoil? Non mais regarde. Attends, j'ai envie de te dire, regarde. Tu vois, là, c'est des gens qui ont dessiné. Ça, c'est un truc sur Paint où tu mets un remplissage direct. J'y peux rien.
C'est comme si par exemple il me disait putain ce monde est si sombre, je voudrais chercher un truc pour apporter la lumière. Et là c'est une lumière jaune qui apparaît là, genre super merci hein. Et c'est pour ça, non mais tous les trucs qui vont être peut-être que en 2001 ça passait, mais tous les trucs qui sont pas dessinés on va le voir à 10 000 km hein. Et en passage bonjour Odaka. Ah bonjour Odaka. Je bois un peu de sang là. T'inquiète. Comment il va le Odaka? C'est du sang sans alcool, t'inquiète. Bon. Hey, Scooby-Doo, tu fais un tour de taureau mécanique? Pourquoi il a eu un cheveu sur la langue? À te faire un tour? Genre, c'est n'importe quoi. Il m'a fait faire un accent problématique. Il faut une pièce pour qu'il fonctionne. Essaie de trouver une pièce de 5 cents. Ah ouais, comment veux-tu que je trouve une pièce de 5 cents aux alentours d'un désert? Mais sinon, ça va bien, Odaka. Pourquoi il a un cheveu sur la langue? Bon. Là? Du coup, il m'a fait faire un accent. Continue à chercher. Alors, on va continuer à chercher. Peut-être qu'il est. Ah, il faut quand même que je cherche ici. Il faut quand même que je cherche une pièce, quoi. Ah. Soit la pièce qui est fermée, soit la pièce qui est ouverte. Tu peux pas cliquer dessus? Bah, j'ai cliqué sur ça. Ça marche pas. Là, je l'ai fermé. Continue à chercher. Ouais, il me dit continue à chercher. Donc. Dans cette pièce. Ah, bon, bah. D'accord, ça me va. Alors. Sous le tabouret, à droite? Non, il est pas cliquable. À mon avis, il faut qu'on trouve une. Ils ont mis deux clés au même endroit. Et en plus, ma phrase de connard que j'avais dit tout à l'heure, mais regarde, c'est sur Paint, c'est facile à deviner. Celui-là, il était pas sur Paint. Les salauds, ils nous ont eu. La patte de Scooby est dégueulasse hein, quand tu dois sélectionner un bah truc. Ouais, bah, surtout qu'il est fait. Là, du coup, il est comme il est. Enfin, vous êtes venu. J'ai mangé mon dernier grain de semoule. C'est à me démanger. Oh, Robin. Qui êtes-vous, charmant jeune gens? Je m'appelle Fred, et voici Daphné, Vera, Sammy et Scooby-Doo. Scooby-Doo! Artifact, professeur d'archéologie. Mes étudiants m'aident à fouiller cette vieille ville fantôme. Je travaillais dans le saloon, quelqu'un est arrivé derrière moi et m'a ligoté. Heureusement, nous sommes passés par là. Où sont vos étudiants? Ben sinon, il n'y aurait pas de scénario. Fui devant le cavalier masqué. Le cavalier masqué? Vous savez, Los Burritos était célèbre pour ses hors-la-loi. Los Burritos. Tous les bandits de Jeff Chester à El Cito Bandito avaient leur quartier ici. Allez, c'est bon, on sort tous les clichés. Hein. Les étudiants sont convaincus que leur fantôme hante cette ville. Opacité augmentée. Le cavalier masqué est particulièrement effrayant. Comment ça, quelle salope Daphné? Ça alors, on dirait le cavalier qui vient d'arriver en ville. Je vous avais dit que c'était un fantôme. Fantôme ou pas, nous allons tirer cette affaire au clair. Et vlan. Tu sais. Regardez cela. Je l'ai trouvé au vieux cimetière. Oh, je le vois tellement dire. Moi, cela pourra nous être. Je suis tombé sur des gamins fous une heure. Suspect et indice. Compte de l'odeur. L'exemplaire du magazine. Il s'appelle Artifact, j'ai pété un plomb. Bon, en tout cas, bon. c'est vrai que si vraiment c'est Artifact, vraiment le mec il s'est fait capturer, il a fait on va capturer. c'est lui. On verra avec l'indice ultime, on verra. Même si l'indice ultime, je suis sûr, c'est pourquoi juste. Pourquoi on a déjà un indice, on l'a chopé où? Bah, c'est lui parce qu'on l'a viré quoi. Pourquoi il y a une tarte sur le tabouret? Pareil, c'est ce que j'allais dire quoi. Des tartes délicieuses. Miam miam. Miam miam. Attends, j'espère que Artifact il va pas être artichaut, lol. Attention. Il est midi. Scooby est mort. Je crois qu'on va assister à une bataille de tarte. Mince. Duel à midi pile. Pourquoi ils sont rejoints le cosmos? Attends, il faut que je fasse un clic gauche, c'est ça? Attends, j'ai pas compris là. Oh d'accord, il dit mais dites à Fred de faire un piège, bordel. Oh, attends. Oh, un V1 le. Bah, attends. Lancez la tarte. Attends, il est. Ok. Ah oui, d'accord. Bien, délicieux. Oh, shoot le. Attends. Attends, il faut que je le shoot ou c'est. Bah. À mon avis, faut pas donner la tarte aux amis. C'est bon, hein. C'est bon, j'ai eu. Putain. Mais il était pas déjà minuit, pourquoi il est minuit moins 10 là? Vas-y, spam-le.
Fais comme dans Hogwarts Legacy, là, tu sais, où tu peux juste spammer le coup, là. Non, je vais l'avoir. Ah. Ah, ça a freeze chez moi. Ah, t'as perdu? Non, j'ai gagné des Scoopies, tu sais, les petits... Attends. J'ai gagné les Scoopies... Oh putain, j'en ai gagné 11, la vache. C'est quoi, c'est à chaque fois que tu l'as touché, le monstre? Ouais, c'est ça. Bon, go faire moi les Scooby Snacks, hein. Le mec, il veut juste que je le tarte la gueule. Hugo, sache qu'on est concurrent de la finale de la Coupe du Monde de rugby, hein, ce soir. Bon, allez, je vais mettre un essai. Avec la souris, déplace Scooby-Doo de gauche à droite. Tais-toi, Daphné, je veux viser, là. Pour lancer la tarte. Ça travaille fort. Allez, noscope-le, noscope-le. Non, putain. Bien joué, tu... Attends, je gagne des pièces même si je vise les autres. Je sais pas, mais tu leur mets ce qu'ils méritent, hein. Dégagez. Oh la Daphné Véra, Samy. Oh, la tête qu'il a fait, il est en mode... Oh. Revise-le, il est en mode... Oh. Attends, faut que tu essaies de le shooter. Oh. Pourquoi à chaque fois on dirait qu'ils sont en train de se finir? Attends, non, refais-le-moi. Non, c'est, non, vas-y. T'es sûr que c'est pas pour faire encore, là? Ah non, mais je te jure, non, mais le Samy qui est en mode oh, quand tu le touches, ça me tabasse de rire. Oh. Comment ça, mon ref? Je peux pas dire ça en live. Je peux pas dire ça en live. Comment tu tartines fort? C'est bon, je les ai bien tartés. On a combien de Scooby Snack là? 44? Une bonne quarantaine, hein. J'ai envie de te dire, j'ai vu 44 en haut. En fait, c'était en haut à gauche, il y avait le nombre. Ouais, voilà. Bah du coup, on peut fouiller, on va fouiller ici, là. Reste ici avec Daphné, pendant que les garçons et moi inspectons cet endroit. Ah, c'est la partie où on se sépare. Ici. Cet endroit fait trop peur. Nous devons y aller. Est-ce que des crocs Scooby vous décideraient? Ah, bah comme de par hasard. Tu en as 4. Oh, comme c'est bizarre. Oh, j'en ai bien plus que 4, hein. Allez. Ah oui, putain, il faut que j'en ai une par une. Allez. Scooby, arrête de sniffer, là. Allez, bouffe, là. C'est bien, prends ça, vas-y. T'aimes ça, hein? La nuit va tomber. Hein? Eh Fred, t'es à Fenorak, la nuit va tomber, donc dépêche-toi. Hein. Bon, oh, ok. Une pièce de théâtre. Oh! Il y a des leviers sur lesquels tirer, à mon avis. Hein. Alors, attends. Ok, salut, ça. Allez, Sabine, tu y vas. Présente-nous ton podcast, là. Putain, mais il y a combien de temps de chargement entre les trucs, là? Quel est ce bruit? Cela vient de dessous la scène. Ah, oh, oh. Ah il faut... Ouais, alors, attends, ouais, il faut retirer du coup... Ah, merci Alain Tiger, hein. Merci. Putain, merci Alain Tiger du follow. Putain. Eh, j'ai 100 scoders qui me suit, hein. Allez. Ça vaut quoi, mon Lenny? Oh bah, t'es pas assez proche de la cam, Vic. Non, mais après, si Hugo il m'a fait trop zoomer. Heureusement que vous m'avez entendu cogner. Je peux être comme ça, je peux être comme ça. Après, je faisais régler des fouilles quand une ombre fantomatique m'a enfermé. Au fait, je suis Jenny Bigood. Je fais des recherches sur les légendes de l'Ouest. Jenny Bigood. Cavalier masqué. Hey, j'ai ça pour mon travail. Oh, quelle coïncidence! Nous voulons alors aussi lui échapper. D'après ça m'étonnerait que tu enregistres sur cassette. Le cavalier mais... masqué est le fantôme d'un membre du gang des maçons. Oh, la petite toupette, dans le hein. passé, Los Burritos était célèbre pour ses hors-la-loi. Cet endroit était un véritable repère d'assassins et de brigands. Oh, assassins! Les plus célèbres hors la loi. T'es pas censé faire péter des voitures, Lenny, là? Ils étaient connus pour leur raid et leur vol. Le mec, il résume sa carrière de sans scoda avec ça. Ans, et t'es pas là pour utiliser un poulet canon pour détruire 2-3 maisons, là, comme Miss Buster, là? On dit même qu'ils ont enterré l'or quelque part dans cette ville. Oui, Los Burritos, c'est un peu raciste. Le fantôme ne veut pas qu'on retrouve cet or! Je ne sais pas. Cela me paraît louche, non? J'ai trouvé toutes sortes d'objets dans la ville. Et pour l'info, c'est parce que Lenny, il avait tweeté qu'il pétait des bagnoles. Alors, attends, et indice. Mais c'est quoi ces indices? Mille et une évasions. Quelqu'un essaierait-il de devenir magicien? Attends, on a déjà
Par un petit rototo. On a déjà deux indices sur cinq là. Ouais. On a fini le jeu en fait. Bah après il faut trouver les personnes dans la vie donc. On l'a fait exploser lundi finalement. Ah. Ok. Bon, bah, tant mieux si ça progresse au niveau du montage. Mais quel est le modèle de la voiture? C'est ça que les gens se posent comme question. Une Formule 1, Vic, s'il te plaît. Hein. On a demandé à Ocon de nous le passer. Oh, Esteban Ocon. Allez, on va aller en haut. Ça me paraît un peu dangereux de faire péter des voitures, Lenny. Si tu pouvais faire attention, ça serait bien. Ça serait bien que tu restes en vie. Après, il doit être dans un lieu sécurisé. Pourquoi un fantôme enterrerait cette vieille ville? Je fais confiance, mais bon, évite de crever, quoi. Je me demande... Tu te demandes quoi? Si un hors-la-loi... Je me demande faire, mec. les jeux Scooby-Doo de cette année. Hé, hey, Scooby, quoi? Quoi couper? Quoi couper? Conseil de Vic, reste en vie. Non, mais c'est mieux. Quand tu fais péter une bagnole, c'est mieux. Ah, la porte était... Attends, mais là, deux secondes, le frame de quand il a ouvert la porte de profil, c'était absolument pas Fred. C'était un gars random. Admirons la vue. T'inquiète, je suis à distance. Le cavalier masqué. Ah. Les assurances se regardent beaucoup bizarrement. Bizarre. Il faut trouver un accès au cimetière. Et si cette tombe recelait un indice? Oh. Oh là là, le gros indice. Devine où est le gros indice. Ding. Ça va être une pièce de 50 cents, ça, c'est ça? Ah, c'est possible, en vrai. Une pièce de 50 cents! Bien, conserve-la. Non, c'était 5 cents. Besoin. Ouais, c'était 5 cents. Je rêve de voir Scooby. Attends. Faire à panure. Oh, le petit boule de Fred là! Masqué. Hein? Il creuse par ici? Ouais, ils avaient dit ça. C'était le fantôme. Je l'ai vu. Il faut que nous sachions. Hugo, je vais me chercher une petite. Je vais me chercher ma deuxième canette de sang, je reviens. Ma canette de sang. Attends, je reviens. Ouais, il n'y a pas d'adresse ici. J'essaie de voir. Ah, le tapis peut-être. Ça alors, qu'est-ce que ça peut être? Bon, c'est un cafard. Ça alors, qu'est-ce que ça peut être? Ou une punaise, peut-être que le jeu il est de l'époque maintenant. Des punaises de lit et tout ça. Alors, tiens, attendez. Je vais essayer de faire un petit truc quand même. Je vais voir la cam de Vic. Alors attends, je regarde si... Bon, ça c'est pas la bonne cam. Je peux la décaler, mais voilà, sans plus. Je vais la mettre comme ça. Voilà. On verra après au retour, sinon il faudra que je décale. Parce qu'après, je pense que c'est une histoire de Ronnie, etc. Je vérifie. Je regarde. Hein. Propriété, ouais. Donc ça, c'est bon. Filtre. Ah oui, bah attends. Pourquoi j'avais l'incrustion par chromatique qui était activée là? J'arrive, les jobs. Je regarde un peu. Ah oui, ok, c'est... je viens de comprendre le truc. Hein. Mais voilà. Voilà. J'ai un peu décalé la cam. J'ai l'impression qu'Odaka, il a fait une bavure pendant ce temps-là, mais... Attends, je vais la remettre ici, voilà, parfait. Ça sera bien. Alors... Quel alcoolique celui-là, comment ça? C'est sans alcool, bien sûr. Avec modération, les Jones. Là, j'ai pas vu son dernier message à Odaka. Là, je te dis, c'est problématique, vaut mieux pas le lire en live. Ne vous inquiétez pas, c'est 100% sans alcool. Mon guide dit qu'une grande quantité d'or a été volée ici il y a très longtemps. Les voleurs ont-ils été arrêtés? Non. Et l'or n'a jamais été retrouvé. Non. Mmh. Ah, c'est tellement Eve de Wally. Hein, dans le... Non. Il a fait... Bizarre ce Fred, ambiance curieuse. Tu peux me relancer des tartes, Scoopy, s'il te plaît? Ah, attends, la pièce... Allez, Scooby-Doo, montre à cet taureau qui... Je rêve d'un jeu Scooby-Doo dans le monde de l'invisible. Bien joué, Scooby-Doo. Scooby-Doo. J'ai cassé la machine. À quand Scooby-Doo dans la ville des complotistes, hein? Vraiment une phrase random que je dirai jamais un jour. Attends, je suis poli, je la referme. Ouais, du coup, il n'y avait que cette salle... Bon, écoute, on va regarder les autres. Je pense qu'on a fait le tour ici. Un massif, Taras, la série Prime. Oui, j'avais compris, Lini, t'inquiète. Ah, pardon, j'ai mal lu. Un massif, c'est trop bien. C'est vrai, ouais, c'est la série où t'as... Pardon, mais je suis dyslexique aussi. Allons-y, Scooby-Doo. Par ici.
Mais Invincible, c'est trop bien. Ouais, c'est banger ça. Bien gore là. Il faudrait que je regarde. Parce que il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas si longtemps. Enfin, ah bon, la saison 2 qui est sortie. Parce que moi j'ai vu la. Je crois qu'il y avait une annonce, mais je sais pas s'il y avait. Bah, en fait, ils ont sorti un épisode où on suit un autre personnage de la série. On ne peut pas entrer. Ah, dans quelques saison 2 okay, dans quelques. Bon. Mais il y avait en attendant, il y avait suivre l'héroïne là. Il y avait une espèce de mini court métrage, on va dire, un truc de 30 minutes, un épisode. Ah, tu entends ce bruit, Vic? J'aime l'argent. Oh putain. Oh non, il est méchant. Alors, je pense que... Ah. Allez, on s'en va du coup, hein, fin de l'épisode. Hein. Allez, allez, Atom et Vie, ouais, c'est ça. C'était un préquel un peu en attendant la saison 2, je crois. Ouais, et je crois que c'est un personnage justement de la série, donc... Un des personnages principaux. Bien joué, les amis. Nous sommes au complet. Moi, j'aime l'argent. Bon. On s'est assez amusé pour donc ça veut dire que la banque, on peut pas y accéder parce que je pense que je me suis amusé avec les fenêtres et en gros je pense qu'il y a un code à faire. Ouais, ça doit être un Simon, non? Je sais pas, j'ai genre quand je pense arrivé... c'est un Simon. Attends, regarde, je vais revenir quand même, mais il me disait rien du tout. Hein. Voilà, genre. Il n'y a rien du tout, et tu vois, je peux interagir, mais... Le coffre est verrouillé. Tant pis, on ne peut pas entrer. Dommage. Et du coup, j'ai... Clique au hasard. Voilà. Ok, et donc si tu spammes trop, le gars arrive. Ouais, voilà. Enfin, je pense que, tu sais, il doit avoir... comment je peux dire, un ordre précis, et voilà, quoi. Il faut peut-être qu'on le devine, quoi. Ouais, voilà, genre, on va pas faire avec ça. Ça fait réfléchir. Petite glace. Ah, le bâtard, le petit magnum là. Allons-y. Bon, c'est ouais. Je vais regarder avec une gendas, mais. Oh, le shérif. Attends deux secondes avant de cliquer dessus. Merde, t'as déjà cliqué. Non, c'est moi qui ai cliqué, ouais. Je voulais qu'on devine la voix du shérif. Bonjour, les amis. De passage à Los Burritos. Passage, c'est cela, shérif. Bonjour. Êtes-vous le représentant de la loi? Je m'appelle Chuck Derringer, shérif d'El Seco. El Seco? Le chef-lieu du comté à quelques kilomètres d'ici. Vous devez être ici pour arrêter le cavalier masqué. Laissez faire les professionnels, c'est ma devise. Nous sommes des détectives amateurs. Nous nous appelons Mystery Inc. Si vous êtes détective, vous devez être de bons observateurs. Tu peux le dire, nous n'avons pas vu le moindre stand de hot dog. Vous avez sûrement noté certaines choses en vous promenant. Alors je déjà, on propose des burritos, vous répondez, on fait pas chier, tu sais. Cette ville. Ah yeah. Les initiales du bazar. Oh putain. Si, c'est RPG. Ah oui, c'est... Non, c'est RG. C'est RG. RG a raison. Quel bâtiment se trouve à côté du bazar? Le salon, la gare de chemin de fer, Paolo Pizza... Paolo Pins, c'est tellement raciste. C'est pas le salon? Alors, attends. C'est la banque, non? Attends, non, je te dis que c'est pas le salon. Putain, plan. Attends, le bazar. Le bazar, c'est-à-dire le bazar RG, c'est. Il y a à côté, il y avait quelque chose. Mais je crois que. La banque, je crois. Non, la banque, c'est avec le saloon. Donc, saloon et banque, c'est pas ça. Donc, clairement, c'est la gare de chemin de fer. Je vois pas d'autres moyens. La gare de chemin de fer. Tu as raison. Vas-y. Quel bâtiment se trouve à côté de la banque? Ah, par contre, attends, quel bâtiment? Ah, si, c'est bon ça. C'est là. Alors. Le bazar. Par contre. La maison blanche. J'applaudis le grand choix. J'applaudis le grand choix énorme que quand, par exemple, il y a trop de place, ils sont obligés de rajouter un petit rectangle qui dépasse. On dirait moi sur Photoshop pour dire allez, j'enlève cette preuve. Le gars, il a mis un petit post-it au bout de sa fiche. Allez, c'est la banque. Tu as raison. Combien coûte un tour de taureau mécanique? 5 cents. 5 cents? 10 cents. On est trop des intellectuels. 25 cents. 1 dollar. Moi, je dirais qu'on a trouvé 1 dollar, donc je dirais... Ça, tu as raison. Apportez-moi un objet qui indique la population de la ville. Quoi? Ah, c'est au tout début. Ok, c'est au tout début. Je vais le faire. Il a dit quoi, là? Il faut apporter un objet pour savoir le nombre de population. Et c'est le tout premier panneau que j'ai fait tomber. Voilà, c'est ça. Bravo, bien joué, Scooby-Doo. Ah d'accord. Genre, il a fait genre, merci. Allez, prends-le.
Donc ton inventaire dans lequel tu stockes tous les trucs est genre à gauche en l'air quoi. Ça voilà. A pas de sens. Bah ça fait un effet que... Donc t'es le sixième membre. T'es le sixième membre du... Alors j'aime bien Odaka qui nous spoil pour dire que c'est lui le fantôme. Après c'est possible, ça peut être un scénario de « Ah je suis shérif et du coup moi je voulais enfermer les bandits, etc. » Voilà quoi. Encore un coup des gamins fouineurs quoi. Venez shérif. Parfait. Voilà ce que je cherchais. Ça devrait vous intéresser. Je l'ai trouvé la dernière fois que j'ai vu le cavalier masqué. Pourquoi il apporte ta demain là ? C'est ultra lourd là, c'est... Suspect et indice. Une carte. Cette carte vient de la bibliothèque de l'université. Elle signale un passage par le tunnel. Ouh, attends, université et lui, il est dans un truc de l'université avec des élèves, etc. Donc à tout moment... Il est prof. Oui, à tout moment, c'est peut-être lui. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est lui, j'arrive pas à voir sa gueule. Il me revient pas. Cette vieille pompe est cassée. Où est J'ai la cru qu'il avait dit cette vieille peau. Alors attends, est-ce que j'ai pas... Parce qu'en vrai, ça m'a l'air vraiment un objet fait pour ça. Ah oui, ça s'est fait pour pomper ça. La pompe peut donc fonctionner. Faisons un essai. Allez, pompe. Vas-y. Pourquoi ? Quelque chose doit être coincé. Ah, ça coule de source. Formidable. Vas-y, pompe. Hein ? Ah mais il a toujours des phrases classiques entre les criquets et vas-y pompe. Ah vas-y pompe là, vas-y, ah, vas-y. Allez, moi. Allez taf des pompes là. Vas-y mon salaud, allez. Quelque chose est sorti. C'est une clé ? Une clé ? Une petite. Pompe, quelque chose est sorti. Et surtout, pas de commentaire. Et surtout que c'est Daphné qui lui dit, c'est genre « Ah putain, je suis aveugle, il y a quelque chose qui est tombé dans les yeux. » Ah putain. Pompe fort là. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça, Missiki ? Comment ça, Missiki ? Elle vient dans le live au moment où ça parle de sexe, mais bon. Elle va dire « Bientôt, nous lâcher Fred boulot. On va rien comprendre. Ça fait assez d'émotions pour la journée. Vous trois, restez ici. On s'en occupe. » Ah, c'est bien, ça change un peu. Oh, petite boule de fret quand même. Oh, le trou de bisnaille. Attends. C'était clairement un bruit de rasoir. Hein. Excusez-moi, j'ai la substance blanche dans la bouche, mais... Les élèves du professeur Fact auront fait des fouilles. Je me demande ce qu'ils cherchaient. Ah, on peut pas passer ? On dirait un tunnel. C'est affreusement sombre. Nous aurons besoin de lumière. Ok, vous trouvez de la lumière du coup. Et on trouve comme tout la lumière, il faut une lanterne j'imagine, parce qu'il faut respecter l'époque du western. Et qu'est-ce que ça peut faire pour la lumière en vrai ? Ils vont te mettre juste une vieille lampe torche, absolument pas RP. Ah regardez, j'ai trouvé un téléphone, j'ai l'option lampe. S'ils font ça, c'était en avance sur leur temps, vu que je rappelle qu'à cette époque-là, les smartphones ouais, bah, regarde, c'était en avance, regarde ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur le premier hand-spinner. Hein. Ah d'accord, ça n'a pas marché le hand-spinner. Regarde, il y a un gros dino qui a pas... Déparons-nous. D'accord. Sammy, Scooby-Doo et moi allons inspecter le bureau du shérif. Ce sera rapide. Allons au shérif. Okay. Ah tiens. Oh non, c'est pas bien ça. Alors, franchement, c'est incroyable. Là, on va y voir fuir. Ah bah, ils sont trois, hein. C'est vraiment la trim, hein. Ils ont voulu... Ah, ils ont voulu... Là c'est pas trop mal parce que, en vrai, là, j'ai cliqué sur l'affiche et je me suis dit, bon... Nous avons le choix. Rester ici ou poursuivre l'enquête. Restons ici. Ils ont mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai cliqué sur l'affiche en tête. Et ça m'a fait baiser parce que le fantôme est apparu quoi. Donc c'est pas trop mal, c'est-à-dire qu'à tout moment, si j'observe autre chose qui est chiant. Bon. C'est pour ajouter de la durée de vie au jeu. Ouais, là on est en mode effrayant. Alors,
Il y a une cellule, là je peux rien faire. Oh, il y a un sandwich ici. J'ai faim. Oui, ben mange-le. Il y a une, je vais pas te mentir, il y a, je crois qu'il y a une punaise qui est rentrée dedans. Une punaise de lit. Regarde. Bon. Bon, on va à la porte. Il dit miam mais il veut pas le manger. Ouvre Nicole, ouvre. La porte de la cellule est coincée par la rouille. Parfait, on ne peut pas rentrer. Du WD-40, vite. On doit trouver de l'huile. Ah, de l'huile. Ah, je pense, tu vois, parce que en vrai, je pensais à la clé, tu vois. Tu es sûr? Eh, tu es sûr? Il faut du WD-40. Ouais, bon, il faut chercher de l'huile. Et là, j'ai rien d'autre. Parce que là, j'ai cliqué sur Vented, ça a pas eu le fantôme, donc on va pas le faire. Mais tu sais qu'il y a moyen que ce soit vraiment ça, le mode effrayant. C'est juste de temps en temps, t'as le méchant qui pop. Ah, c'est possible, en vrai. Attends. Ah, bah, y'a plus d'eau. Je me suis vidé, Fred. Ah, pompe-moi là, un petit peu. Hein. Salut, Ulysse. Comment il va? Aïe. Como esta? Je parle espagnol pour me mettre dans l'ambiance. Oh! Bah! Comment on dit âne en espagnol? Donkey en anglais, déjà. Agnos! Non, ça veut dire année. Mais. Ou ça veut dire autre chose, mais. Faudra le censurer. La gare de chemin de fer. Bien, Hugo. Bon, bah ça va. Moi, je suis très bon en anglais, mais par contre, pour espagnol, je sais pas. Je pense qu'elle veut dire bien. Muy bien. Non, c'est... ça veut dire je vais bien. Oh, il y a les trois corbeaux. Oh, sur les corbeaux. Il y avait pas un Disney où les corbeaux ils avaient un accent problématique là. Oui, le on est passé à deux doigts d'une bavure là. Ouais, salut le stream, salut Bibi. Yo, réveille-toi, Bibi, le bot. Vieux monsieur. Comment le réveiller? Oh, vieux monsieur, c'est MV. Hé, hey, son ronflement fait une chanson. Je sais, essayons de jouer la même mélodie que lui. Je ne vois pas de piano. Utilise les cloches de la mule. Si nous jouons les cloches dans le bon ordre, piano. Il se réveillera. Il ronfle vraiment fort. Tu peux parler? Pardon, petit rototo. Attends. Ah d'accord, ok. Attends, mais faut vraiment refaire toute la mélodie, là? Attends, j'ai... Attends. Ah, c'est un Simon. Ok. Ouais, c'est un Simon, ok. Alors, le premier, c'est des cloches, je me rappelle. Les carbos de Dumbo. Peut-être, je ne sais pas. Attends. Crelon, cloche, crelon, cloche, crelon. Sache que dans Among Us, j'étais une machine en Simon, du coup, toujours. Les gens disaient que j'étais full sus, pardon. J'arrive plus à parler. C'est le sang, ça m'a un peu monté à la tête. Je crois que j'ai eu bon. Désolé, tu racontais bien ta vie, mais j'ai réussi. Avez-vous mes dents? Hein? Comment? Mes dents! Mes dents! Avez-vous mes dents? C'est bon! C'est faux! De quoi il parle? Il veut ses chicots! Mais moi, j'ai pas de chicots, moi. J'ai un marteau, bon, on peut casser les dents, hein. Essayons. Il y en a plus. Fais-le un croque Scooby, là. Je dis, avez-vous mes dents? J'en ai besoin. On ne vous comprend pas. On dirait, tu sais, c'est... On dirait que c'est un... On dirait un client, tu sais, de chez Mo. Hé, Homer. Bon, il faut chercher ses dents. Et ses dents, ils sont où? Même elle est contre moi. Je retiens ma cam, c'est normal. C'est le bazar. Ouh, il y a un fantôme qui a contrôlé la cam de Vic. Non, c'est que j'étais en train de manger ma glace encore. Une horloge. Et il y avait comment peux-tu penser à un morceau de coquille de noix qui était assez entre mes dents. Tout est fermé. C'est une ville fantôme. Tu as besoin de le répéter? Ouh. Clique sur le G, clique sur le G. Comme si je ne le savais pas. Mais... Le G, il est cliquable de fou, là. Ah, ok, ça. Ah, bravo. Voilà, c'était sûr, en fait. C'était sûr. Bravo, Vic. Ça fait 8 ans, bravo. Peut-être autre chose.
Il a pompé, c'est pour ça. Comment ça? J'ai l'impression que c'est resté sur le pompage ici. Ah putain, c'était dur, hein. Il a trop pompé, il en a perdu ses dents. Si nous la dégageons, elle pourrait bien nous être utile. Ah bah, arrache les clous. Ah. Dégageons cette horloge et emportons-la. Ah d'accord, la porte, avec les clous, on fait rien. Par contre, l'horloge, on la pète la gueule. Et qu'est-ce que je vais en faire, ça? Bravo, on a une montre, mais trop grande. Dis-moi alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors c'est... Maintenant, on a une montre beaucoup trop grande. Parce que après, je vois pas où la mettre. Parce que encore, si c'était... S'il y en avait un pour le train, j'aurais vu et j'aurais dit, ah, c'est peut-être pour ça, mais là... Parce que, qu'est-ce qu'on a comme objet? On a juste une clé et ça. Et... Je suis en train d'y penser, mais il n'y avait pas un truc à ouvrir, quelque part? Ah bah, il y avait le coffre-fort dans la banque. Mais, tu sais, ils ont dit que c'était trop rouillé. Bah, c'est surtout que le coffre-fort, tu sais, c'est un truc classique avec ça. Bah, ils ont dit que c'était rouillé. Faut qu'on trouve de l'huile. On va regarder quand même. Non, c'est la porte de la cage de la prison. Du shérif. Ah, ça, c'est pas rouillé, ça? Je pensais que c'était rouillé aussi. Ah bah, il n'y a pas d'entrée de clé, là. Dommage. Oh, enfin, et c'est quand même dans le doute. Faut un pack plus de 10 pour ce jeu, oh. Clairement, hein. Fixe-la et règle-la sur 1h14. Oh! Mais oui, il y a vraiment la place pour une horloge, j'ai pété un plomb. Attends. Alors attends. 1h14. Hein? Un truc que j'ai pas suivi là. Verrouillé. Il ne sourira qu'à 1h14. Bah en vrai, attends. 1h, parce que c'est la petite. Et après 14. Alors... Un cran en dessous du 3. Oh putain, c'est horrible le son. C'est. Alors attends, tu as dit. Un cran en dessous du 3. Apprends à lire l'heure avec Victor. Non, là c'est au-dessus. Ah. Voilà. C'est bon. Là. Il faut vraiment un pack plus 50 là. Ça marche. Le coffre s'ouvre. Faut juste savoir lire l'heure, quoi. Je dois un œil à l'intérieur. Alors les jeunes de jour, ils savent plus lire l'heure. Hein. Ouh, bah attends, là il y a le fameux coffre. Attends, je regarde comme les des malles toutes fermées à clé. Eh bien, trouvons une clé. Nous avons besoin de ce qu'elles contiennent. T'es mal la taille du rat, quoi. La clé doit ouvrir une de ces malles. Non, il ouvre celui de droite 100%. Regarde, il y a un détourage, là. Oh mince, ce n'est pas la bonne. Oh mince. Oh mince. Oh mince, tu vas devoir pomper, Vic. Marche. Tiens. Ah bah, c'était celle au fond, hein. C'était à droite, mais pas trop à droite. Oh. Il sera facile de trouver son propriétaire. Il y a quand même les tremblotes, tu sais. Alors, c'est bon. C'est bon, j'ai fini la glace, désolé le chat. J'avais des envies de sucre. Bah, on peut pas l'ouvrir. Bah, c'est bête, ça. Non, les amis, nous devons trouver la combinaison. Faut qu'on trouve... Bah, donne les chicots au type, hein. Il va nous donner un indice de bâtard. Attends, je voyais les sacs. Ouh, la petite araignée. Ça me fait rire parce que, tu vois, le jeu, on est en train de le rusher parce que, bah, globalement, on a plus 8 ans. Oui, voilà. Mais étant petit, ça nous aura fait galérer sa mère, hein. Ouais, surtout pour effrayant. Effrayant. Moi, j'aurais pas eu les couilles de lancer effrayant, hein. Bah, c'est surtout que moi, j'aurais pas l'idée de dire « Allez, je mets l'horloge sur le truc de la banque. » Non, mais je sais que moi, j'ai joué à PD2, etc., mais j'ai jamais vu de braquage où on dit « Les gars, il faut vraiment qu'on ait l'horloge pour le mettre, pour ouvrir. » Les gars, il suffit qu'on attende 1h14 et la banque s'ouvrira toute seule. Ça marche pas comme ça, quoi. Attends. Allez, donne-lui ses chicots, là. Je regardais si on avait d'autres objets, quand même, aux alentours. J'ai bu un peu trop de sang, là. Je suis désolé, ça monte à la tête. Il est obligé de toquer, hein. Tiens, les jeunes. Laissez-moi mes dents, les jeunes. Comment? Mes dents. Avez-vous mes dents? C'est bon. Un pagnon. De quoi il parle? Vous avez mes dents, mais quoi? Mais quoi couper? Venez, monsieur. Oh, merci, c'est gentil. Ah, c'est vraiment le chien. Oh, c'est dégueulasse, il l'avait dans la bouche. Oh, c'est dégueulasse. Merci pour les dents.
Je les avais cachés pour qu'on ne me vole pas. Ah, la voix qui change d'un coup, ah, ça me fait marrer. Tiens, j'ai quelque chose pour vous, jeune genre. Bonjour, je suis Clark Kent. Et aujourd'hui... C'est le Spider-Man, mais pour... c'est Superman, mais pour pas qu'on le détecte, il retire ses dents. C'est la liste des élèves du professeur. Je crois que j'ai trouvé le coupable. Si tu as revu tous les suspects et les indices, clique pour revenir en arrière. Allez. Non mais clairement, genre, le fait qu'il monte déjà la classe... Après, le truc, c'est si que ça pète Bates, parce que la carte, la livre évasion, même les comptes, allez, je sais pas. On en convient que tous les indices, c'est pour savoir qui est le coupable. Voilà, c'est qu'en gros, celui qui a le plus d'indices qui est lié à une personne... Oui, c'est ça, c'est quand même... C'est quand même celui qui a le plus d'indices, donc des gens peuvent avoir des indices, mais qui... C'est comme avec le château, auquel les indices qui étaient le plus, c'était le bouffon, c'est-à-dire Darkos. Le bouffe. Excuse-nous, Darkos. Eh, balle gratuite, hop là. Oh, bah là, ça a bien pompé ici, dis donc. Qui est en train de pomper ce tonneau, quoi? Tu as juste, c'est le vieux, il fait « Ah, bah écoutez, quand j'avais plus de dents, hein. » Bon, bah en vrai, il nous reste plus qu'à... À quand les meilleurs rappeurs de notre génération le climax sans... À quand les meilleurs rappeurs de notre génération qui samplent la musique de Scooby-Doo là pour faire une grosse instru trap? Non mais je crois qu'il y avait déjà des remix ou des gens qui reprenaient de l'instru, des petits éléments de Scooby. Je sais pas, mais ça serait drôle. Du coup, à droite, il y avait le trou. Donc on pouvait pas y aller, fallait qu'on ait une lampe. Et aussi, pour le bureau du shérif, il faut un truc pour mettre de l'huile. Donc déjà... T'as apporté une lampe? Non. Non. Je savais que t'allais dire ça clairement. On peut pas aller vers le bas, ça se trouve depuis tout à l'heure. On a que trois chemins, putain, pour pas y revenir en arrière. Non, ouais, je pense qu'il doit avoir. Vas-y, va à droite. Il y a un truc qu'on a peut-être oublié là-bas. En vrai, maintenant que j'ai un peu le track de dire est-ce que je clique ou pas, parce que j'ai peur qu'il y a le fantôme qui apparaît et fait allez, retour à la case départ. Ciboule le Fred là. On était allé dans la porte qui était entrouverte. Celle-là là. Ouais. On peut pas. Non, on peut pas. En gros, quand je monte ici, il y a après des taffetés qui montent en haut. Et après, je rentre et il y a le mec qui sort sa pelle pour sortir les trucs. Et là, j'ai envie de regarder comme ici quand même. On sait jamais. On n'y était pas allé. Si, mais je veux regarder quand même s'il manquait pas quelque chose, tu vois. Après. Y a pas de l'huile près du taureau, tu sais, genre, je sais pas, ils doivent huiler de temps en temps le taureau pour... C'est bien, on est sorti de la pompe, tu parles de l'huile, là. Putain, le taureau, il a sorti son huile, là. Oui, Scooby-Doo, c'est cassé. Bien joué. Ouais, bien joué, c'est cassé. Ah, tu nous referais pas un petit coup de tarte, là? Non, on va fouiller quand même à plus d'endroits. Ici, je... Point d'interrogation, comment ça? Emoji avec le... Avec le sourcil levé. Avec le chat là, en mode cesse. C'est vous que là on a juste chopé le dollar et on s'est barré quoi. Ouais, parce que regarde, si je clique sur le tapis. Ça alors, qu'est-ce que ça peut être? Une punaise. Je sais pas. Tu sais, le mec trop énervé. Et après, quand je cliquais sur la vitre, il y avait le chevalier qui déterrait quelque chose. Et on a pas accès au cimetière? Bah justement, j'essaie de savoir si y a pas un moyen de. Attention! Bon, ça va. C'est quoi cette réaction? Attention! Et sinon, tu sais à quelle heure c'est la qualif de Formule 1 ou pas? Je crois que c'est 23h, mais je suis pas sûr. Le mec, il parle d'un autre sujet en attendant. Sinon, qu'est-ce que tu penses de Formule 1? On n'a pas trouvé l'huile. Moi, je pose des questions dans le chat. 23h, oui, c'était 23h, tu m'avais dit en plus. Merci, Moi, je regarde pas, mais je sais qu'il m'avait dit ça. La banque, j'ai vu vite fait, mais je vais vérifier quand même s'il y a... Parce que c'est sûr, ça, ça a activé les lumières, etc. Et ça m'avait invoqué le monstre. Je vais vérifier quand même ici. Là. Ouais, parce que là, il faut le code. Mais c'est bon, là, le code, Hugo. Ah, vas-y. Coffre-fort. Verrouillé. Je vais donner le code de ma CB, tu vas voir. Nous devons trouver la combinaison. Surtout que là, il n'y a plus d'interaction. Là, j'ai plus. Mais c'est,
C'est sûr que le coffre de droite, il est inter... Regarde, il est... La serrure, elle est pixel, tu vois ce que je veux dire ? Elle est pixelisée, la serrure. Après, moi, c'est surtout, j'avais un problème. J'ai cru que, tu vois, il était sur une nappe et avec les traits, mais sauf que c'est des toiles d'araignée, du coup, en vrai. Du coup, je me suis dit, bah non, en fait, c'est un peu con, quoi. La serrure, elle est hors de la nappe. À mon avis, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une lampe. Il y a pas, tu sais, genre à l'entrée d'un saloon ou d'un bâtiment, tu sais, genre une lampe qui pendouille. On va regarder un peu dans les détails. Vraiment, je préfère pour voir les Alpine out en Q1. Ah bah les moteurs ils vont pas avoir assez d'oxygène, ils vont exploser encore. Ah, t'avais déjà cliqué sur le pot de fleurs ? Oui, j'avais cliqué. Alors, oh, là, je commence à manger. Je veux pas dire un truc, mais c'est pas très western. C'est du Atomic Fridge ou quoi là ? Putain, la bonne ligne quoi. Eh, en vrai, je te dis un truc, hein, mais vraiment, si tu sors un single où il y a que de les musiques de Scooby-Doo, de ses jeux PC avec tous les sons, etc. Franchement, je le dis, c'est mon meilleur album. Hein. Je vais le sampler. Terrifiant. je me suis dit, je vais lire normalement, et puis d'un coup... Ah, attends, les... Oui, t'as ah, on n'est pas rentré dedans, ok. Ah. Par contre, faut viser la fenêtre pour rentrer. Ah, je suis de mon monstre, je vais te tuer. Oh, putain, l'animation, hein. Ah non, c'est avec notre QTE, c'est Dragon Slayer, attention. Ouais. Dragon Slayer, va falloir cliquer au bon endroit, au bon moment. Moi, j'étais au téléphone, pas de soucis, Lini. Alors, attends. Ouah, attends, le train en 3D. Le train en 3D. Oh là, what the fuck. What the fuck, les amis. Mais t'es pas allé dans la mine. La mine, elle était pas à droite. Bah non, il était à gauche. Oh. Oh, c'est qui ça? C'est qui le rouquin là? Alors, je veux pas juger, mais regarde, le Sammy Scooby-Doo c'est du 2D quoi. Waouh, trop d'informations là. Oh là, j'arrive pas à m'en remettre. Oh, ça a dû faire chauffer 2-3 PC là. Ah bah, j'espère acheter une carte graphique RTX pour ça. Hein. À l'époque, ta GT 100 là, devait en chier hein. Toujours pas fini cette enquête. Site de fouille, perturbant. Oh, t'es mal front, dirais-moi carrément. Inopportune. T'as vu, c'est toi. Que je travaille, c'est... Si bah, c'est toi Mick dans le jeu. Mais what the fuck, c'est moi. Et vous deux, tu changes juste la couleur des cheveux, c'est bon. Hein. Nous, c'est bon, what the fuck. Moi, c'est Sally et lui, Scooby-Doo. Je dois recoller les morceaux de cette poterie. Seulement, je ne vois rien du tout. Je dois changer de lunettes. Pouvez-vous Mais c'est moi. Mais bas les pattes, vous êtes dégoûtant. Hein? Qu'est-ce qu'on lui a fait sur les morceaux et placez-les de manière à... Voilà, les drapeaux russes là. Non mais c'est quoi les drapeaux russes là? C'est problématique ça. Non mais attends, le truc très drôle c'est que tu vois, il nous a insulté, il a fait allez, on collait quand même, on sait jamais. Tu dois recoller mes cheveux. Alors attends. Ça je le prends personnellement aussi un petit peu mais bon. Alors attends, bon déjà ce petit morceau là. Ah bah d'accord, c'est je clique et je dépose hein. Voilà, c'est clairement ça. Cette pièce, elle est là. Cette pièce, elle est là. En tout cas, j'ai bien aimé. Hein. Vraiment, le premier, c'était vraiment le plus dur, finalement. En vrai. le tout premier jeu, il était plus dur. Là, c'est d'un coup... Allez, on copie-colle. Alors, hop. Hop. C'est trop dur. Après, il y a un problème aussi, c'est que quand j'essaie de cliquer, y a des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc, Sache que j'ai absolument pas interagi, mais je comptais sur toi pour le fait de pas avoir 8 ans. Donc, intéressant. Que pensez-vous que ce soit? Alors, quel est ce dernier indice? Suspect et indice. Alors, attends. Tiens, est-ce que ça serait pas le shérif? Ah, attends. Déjà, étoile du shérif, c'est pour lui. On verra, en vrai, on verra à la fin parce que après. Si tu as revu tous les suspects et les indices, la carte, clique pour revenir. Tu vois, il y a aussi livre évasion. Putain, en vrai, c'est bien serré parce que. Attends, celle-là. Si tu as revu tous les suspects. Celle-là. Mais quelle est celle-là? Ah, parce que j'essaie de savoir sur les livres. Est-ce qu'il y en a pas un qui aime bien les livres, tu sais? Oh, J'ai peut-être un peu surréagi, mais. Qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. Oh, le code! Oh!
Putain, on réagit comme si vraiment on a l'info du siècle. Ça passe de rien. Ah merde, il avait peut-être un truc, bon je sais pas, c'est pas grave. C'était une pelle, mais je sais pas si je pourrais réagir ou pas. No way. Le ranch, Décidons-nous, il est derrière nous. Oui bah on a pas trop le choix, hein. Quoi bah, que le ranch. The ranch. Il est derrière nous, on s'arrête, allez on s'arrête. Oui. Ouh, le fer chaud. Hein? Pourquoi il a dit oui, oui? Non, bizarre, ok. Ouh, le retour. Oh, 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 c'est le jeu américain, là. Eh, Misiki, appelle Bibi, regarde qu'est-ce que c'est un vrai professionnel. Alors, alors, attends. À mon avis, il faut que tu cliques sur le poteau pour que ça lance. Ah non. Bam, du premier coup. Oh, mais c'est Gotaga, le type, ou quoi, là? Oh, le bouffon, il s'est pas lancé. Allez, attends, je tente attends, le milieu. Attends. Parce que des fois j'ai l'impression de plus être connecté, mais on est vraiment en train d'avoir un cheval là. Ouais, clairement. Ok, non, pardon. Mais il est nul à chier. Attends, j'essaie de. Oh merde, je l'ai foiré. Je l'ai appelé, c'est bon bordel. Oh coucou flop. Attends. Mais il est nul à chier. Mais toi, globalement, même si tu cliques à l'opposé, j'ai l'impression que ça va dedans. Bah, j'ai essayé de faire au milieu et c'était assez proche du milieu donc. Attends. Ah là c'est bon. Là je l'ai. C'est donc ça l'avenir du gaming. Ça c'est une conférence Xbox, je l'achète Day One hein. Envie de jouer à Pétanque Simulator là. Ah pareil, pardon. À quoi un live Hugo sur un jeu. À quand Hugo un live sur un jeu de pétanque hein. Je vais bloquer les gens carrément. Dans mes amis. Alors, on l'a invité pour voir un ouais, lancer mais, là. Non mais vraiment, pour donner le contexte, c'est que dans le contexte, c'est qu'on a fait A Way Out avec Bibi et il y avait un jeu de faire un cheval et je l'ai battu contre lui. Lenny, n'hésite pas à nous faire une nouvelle vidéo pétanque bizarre. Attention, je me rappelle le trois trucs. Ouais, bah de toute façon c'est grâce au... Oh. Oh la 3D, attention hein. Nouvelle vidéo pétanque bizarre, Lenny, s'il te plaît. Je t'en conjure. Bon bah, retour à la gare, hein. Il était... La gare de Nashville. Oula. Bon, il faut quand même toujours trouver... Attends, après... Peut-être que le code, on trouvera de l'une. Va à la banque. Pas la banque, c'est quoi? C'était où? C'était le... C'était à quel endroit, le... Misiki sur mon live. Retire ton t-shirt, Misiki, le strip du go. Ce live est un coty. Pipi, je rigolais, c'était pé. Non, je vais peut-être faire une nouvelle vidéo sur la conquête spatiale. Ah. Pas mal, mais ouais. La conquête spatiale, ça vaut pas la pétanque. Mais imagine, une pétanque dans l'espace. Lenny, t'y penses comme projet? Prochaine vidéo, Lenny. Qu'est-ce que ça fait de faire une pétanque en apesanteur? J'en rêve, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de The Science Coder. Je fais sa pub. Voilà, on a vu, il faut que tu mettes directement le code sur le truc. Ouais. Si tu glisses l'indice. Nous devons trouver la combinaison. Siocon DNF. Tu vois si tu restes dans mes amis, toi. Ça va lâcher des grands Ocon finito. Oh, c'était bien ça. C'est la combinaison. Oh là là, c'est un passage secret. Bah ouais, mais la seule vidéo où je participe de ta chaîne, tu la supprimes. C'est vrai. Moi je suis chaud pour une vidéo, Lenny, tu sais. Le mec il gratte un peu. Après, moi je dis à des potes, j'ai déjà fait une vidéo avec The Science Coder et tout, et les gens ils me disent non, mais tu mytho et tout, elle existe pas la vidéo. Moi je suis en sueur, tu vois ce que je veux dire. C'est là que doit mener l'autre porte. Ah, bon, ma Misiki meurt à cause de Bibi qui dit fur. Bibi ratio, elle est en privé, pas sup. Ouais, ouais, bizarre. Je peux la télécharger pour que tu la gardes pour toi si tu veux, Vic, tu sais. Pas question d'entrer là-dedans.
Vous entendez ce drôle de bruit? Meurt de... Quand chaîne YouTube Hoquette. Bah après, il y avait une époque où Vic, il avait une chaîne YouTube. Mais hein. Tu en as vraiment qu'un? Et les vidéos sont en non-rep, hein. Le problème, c'est qu'il y a 2-3 vidéos que j'ai fait supprimer parce que je faisais des accents problématiques, donc j'ai préféré les supprimer. Ah, d'accord, ça assume pas, d'accord. Ne nous arrêtons pas, nous perdons du temps. À quand les amis ont abonné de vos quêtes? Bah écoutez. C'était, c'était notre époque. Il a fait une app reload. Alors, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi le app reload, c'est parce que il y a eu Gus Productions et Wonky Studio. Ils ont fait une vidéo et bon bah ils ont fait des références de KFC avec leur personnage. Je vais pas dire plus quoi. Lenny a supprimé la vidéo alors qu'elle avait 774 vues, je suis dévasté. Il m'a envoyé un MP. Ah regarde bah, j'avais un peu fait une APB quoi, mais bon, qui n'a jamais fait un accent problématique. Regarde Scooby-Doo, du lard séché. Formidable, il est encore bon. D'accord, ça parle de bouffe. Hein. Oh. Et les serpents, on fait quoi? Des serpents. Ouais, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux... Ces serpents semblent protéger une lanterne. Il faut contourner le problème. Et comment? J'en ai jamais fait. Non mais arrêtez, vous allez pas me dire qu'on a tous fait un accent à un moment qui était désastreux. Bon, les serpents ils nous bloquent. Attends, est-ce que j'ai plein d'objets? Non, donne-leur des Scooby Snacks. On sait jamais, hein, attends. Ça se trouve, c'est ça la solution. Ça me ah. Si c'est ça, ça me. Ah merde, j'ai eu peur. Je pensais que j'avais freeze. Pour te dire, j'avais cliqué sur les Scooby, j'ai cru que c'était un freeze. Ah merde, je me suis barré. Ça s'embrouille dans le chat parce que ça a fait un accent rebeu là. Oui, bon, après, j'en connais un qui a fait pire chose hein, sur une autre personne, mais bon, on peut en parler dans les détails. Comme si je ne le savais pas. C'est potentiellement moi. Bon, du coup, il faut un truc pour fuir les serpents, mais j'en ai aucune idée. Après, niveau accent problématique, qui se rappelle de Michel Leb? Un petit sketch de Michel Leb et vous relativisez toute votre vie. En vrai, qu'est-ce qu'on a pas bien assez fouillé. En vrai, j'ai envie de revoir quand même parce que je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Mais c'est qui fait des qui fait des boulettes en quand ça fait un Uno IRL, ça glisse. Moi, je me rappelle toujours une histoire, c'est que j'ai fait un Uno avec des amis lors d'une soirée dehors dans la plage. Et j'étais le premier, je crois que j'étais dans les premiers à avoir terminé. Je me suis dit, allez, je fais des pompes. Et du coup, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce que tu fais, Hugo? Bah, je sais pas. J'ai envie de faire des pompes, quoi. Moi, je me rappelle de Misiki sur un live. Sur un live où je jouais à PES sur un vieux jeu de foot où j'avais fait Ocon et qu'elle me disait, Ocon, t'es mal le petit boule. Mais bon, après. Après, ça n'engage que moi, bien sûr. Non, t'avais. Le tarpé là. C'est ça ce qu'il m'avait dit. Le tarpé. Quelle direction? Va à droite là. Non. Et là, la côte ta mère. On est jamais allé à droite là. Non, mais je te jure, il part à droite le monstre. Il est con. Genre, bah, je connais le scénario, genre. Mais là, on retombe sur Benzaï avec son grand front là. Non, toi d'abord, toi en roue, ça te va? Faire quoi, moi le requin? Je vais regarder s'il n'y a pas un objet que j'ai laissé avec lui. Parce que regarde, ça pèle là. Choisissez une sortie et hors de ma vue. Ah d'accord, bah, ok. Tu prends tes caleçons sales et hors de ma vue, comme dira Wedgden. Le gigaboulard. Qu'est-ce que vous pensez du boulard de Fred dans le chat? Il est touchant. Son boulard est touchant. Le ranch, c'est avec le cheval. Scooby-Doo. Sinon, on en parle si Hugo stream que avec des gens avec les pseudos commençant par W. Je vais m'appeler Wiwi le bot. Ah, peut-être que c'est ça la prophétie. Hein. Peut-être qu'il faut s'appeler Wiwi. Hein.
Oui, bon, après... Dès comme le boulard. Bibi, boulot, boulot, Fred. Oh, regarde cette transition, regarde. 360, hop là. Ça fait rire, c'est dans la série Mystère Associé, là, donc la dernière série Scooby-Doo qui est sortie, je crois. C'est trop bien fait. Fait le petit. Dans la dernière série Scooby-Doo Mystère Associé, Fred, il arrête pas de se faire draguer par Daphné. Sauf qu'à chaque fois, il est plus intéressé par ses pièges que par Daphné, donc... Et là, d'un coup... les pompes. Faut faire des pompes. Il faut faire des pompes. Non mais en vrai... C'est le bazar. Fort donc, j'ai pas vu du sport, hein. Mon double menton peut en témoigner. Oh. Ah bah ça, c'était pas ça. Mais what the fuck. Non mais là, c'est cliquable de fou, là. Bah... Ouais. Je crois que le jeu, il nous a baisé. Oh mais c'est un piano ou quoi? Mais ouais, mais... Ça fait rien. Ah, pompe et abdos. Ah bah allez, ça y est. Allez, va le faire. Attendez. Merde, attendez, faut que je corrige ma caméra. Les supermarchés du Far West d'autrefois. Wow. Oui, le pote a récupéré à boire. Attendez. Attends, je... Ah, ça fait marrer. Faut que je fasse des abdos maintenant. Ouais. 5, ça va. C'est 5... Oh, les pieds. Bizarre, mais c'est qui? Pourquoi tu observes directement les pieds? C'est chelou, ça. Yeah. Oh, je suis tellement finito. Ah, putain. Fais pas attention à ma tenue, hein. Je suis un chômeur, je m'habille en jogging. N'hésite pas à boire, Vic, hein. C'est cadeau de la maison. Moi je bois depuis tout à l'heure, hein. C'est pour ça que tu vas m'être torché. Hein. Oh! Par contre, attends. Me dis pas que c'était ça là. Non, il y avait ça. Pas d'accord, ça va. Là, il n'y a rien à interagir. Oh. Oh les pieds. Avez-vous vu ces briques? Oui. Certaines ont une drôle de couleur. Bientôt, ça va m'envoyer des tweets avec des pieds de con. Je vais rien comprendre. Oh, il a. Attends. Oh! Mec, j'ai trouvé quelque chose! C'est l'or, ça. Ces trucs-là, c'est des briques, mais c'est peint et c'est de l'or. Mais ça serait pas des lingots, l'équipe? Et t'as fait les pompes, toi, Hugo? Attends, une minute, je cherche déjà où il faut continuer, parce que là... Il est tout le temps torché. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est parce que j'ai un problème avec l'alcool. C'est l'alcool qui m'en veut, pas moi. J'ai un problème avec l'alcool. Ah bah... Il a finalement bouffé le sandwich. Est-ce que je vais quand même avoir plus de force? Mais là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, au moins c'est réglé. Attends, pourquoi il y a marqué qualification Formule 1, là. Est-ce qu'on m'a pas menti sur l'heure, là? C'est pour cela que l'on doit trouver de l'huile. Ah ouais, mais bon, de l'huile, il y en avait en bas, je pense. Mais... Je prends ma mytho sur l'heure de la F1. Là. Ouh, la grosse araignée qui est apparue. Vous serez content de savoir que maintenant je carbure à l'eau. Ah non, c'est dans 1h40, pourquoi j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Alors, vous voyez vraiment... En plus, le cimetière, je vois pas où on pourrait y accéder. Attends. Ouais, menu. Mais t'as essayé d'aller dans la mine quand tu peux choisir les deux directions, là? Oula, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux jouer, moi. Okay. Oh là, oh, oh. Je veux pas tout recommencer. Essaye de retourner sur le train. Sauf que plutôt que choisir le truc vers le haut, tu choisis la mine. Peut-être que ça t'emmène pas au même endroit. Hein. Bah ouais, mais c'est ça le truc, c'est que... Je sais pas si c'est un bait. Je vais juste vérifier à nouveau si on a tout regardé dans les deux nouvelles salles qu'on a fait. J'ai un souci. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Enfin, oui, je veux dire. Oui, le bot. J'entends un montage, bisous les copains. Pas de soucis, écoute, bon montage à toi, Lenny, et à la prochaine. Et merci du follow encore. Merci, Lenny, ça régale.
Putain, ça fait un gros rat, enfin une souris. Ah. Oh, d'accord. Ah, bah. Vous êtes... Bon, je vais être... Oui, le bot pendant 2 mois. Nouveau stream de Oui, le bot. J'aurais sub avec plaisir, mais ma carte est bloquée, Mordeur. Bon, pas grave, Lenny, t'inquiète, pas de soucis. Au moins, c'était sympa de me le dire. Bizarre. Bizarre, la carte qui est bloquée. Non, mais j'attends la prochaine sponsor, c'est pour ça. Non, j'ai malgré les millions sur YouTube. Bizarre. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à The Science Coder, il fait du très bon contenu. Des bunkages, des expériences, un petit peu, n'hésitez pas. Ah bah, Cage, elle arrive pile poil au moment où Bibi se change son nom. Attends, je peux me mettre en whisky si tu veux. Réel vive, The Science Coder. Vraiment le bourré, hein. Là, j'ai pas trop d'intention. La carte de la boîte, elle va. Bah, fais passer ça pour un achat pour... C'est important pour ta chaîne, pour faire bosser ton métier. Fais passer ça en frais d'entreprise. Explique à la banque, excuse-moi le banquier, non, mais c'était pour mon entreprise et tout, c'était une question vitale, et puis voilà, tu lâches le sub, quoi. Bon, par contre, j'ai toujours pas d'idée... J'ai fouillé un peu partout. On va reprendre le train et on va partir à droite. On sait jamais. Et après, sinon, on va devoir supporter l'horreur, quoi. On va devoir supporter Scrappy, là. Enfin, j'ai oublié son nom, là. La bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Lenny. N'hésite pas à revenir de temps en temps. Et puis sinon, oui, occupe-toi plutôt de ton vrai métier. Bon courage pour ta prochaine vidéo. Et puis attention, lundi. Hein. Fais pas le fou, lundi. Elle n'explose pas les 4x4, Parce que ouais, le RG Bazar, il y a eu que dalle. Et lui, le salon RGB là. La montagne avec tout l'or. Hein? À moi l'or. Bon allez, je vais prendre les tickets et on va partir à droite. Écoute, Lenny, Hugo. Lenny, je te laisse aller prendre à droite. Je fais une petite vidange, je reviens. Yo, Wiziki. Je reviens, Wiziki, je vais faire une petite vidange. Quelle direction, Scooby-Doo? J'ai changé mon pseudo de Discord et Twitter, du coup. Ah oui, il va me pomper. J'aime bien les deux messages en même temps, mais un différent que l'autre. Ah bah putain. En tout cas, c'est qu'une cinématique, hein, pour un, ça, donc... Oh! Bah, il avait raison, le salaud. Il est derrière nous. Il avait le seul. Désolé de faire un monument incroyable, mais si c'est pour durer 10 ans... Bon, parfait, j'ai l'huile. Et l'huile, maintenant, on va pouvoir s'occuper directement avec la prison. Je vous propose une petite blague avant qu'ils reviennent. On fait croire qu'en prenant le train, ça n'a rien servi et j'ai dû revenir au bazar et il y avait une interaction pour que ça fonctionne. Voilà, la blague de l'année. Hein.
Vas-y, mort de rire. Attends, d'abord... Comme si je ne le savais pas. D'abord, je vais... Ah, parce que, attends, je veux juste vérifier. C'est un avis de recherche du cavalier masqué. Ce cavalier masqué hante les parages depuis longtemps. D'après ce que je lis, le cavalier masqué serait un voleur d'or professionnel. Ok. Ok, bah du coup, ouais, ça veut dire qu'il y a des interactions, si j'en abuse trop, il y a le fantôme qui apparaît, ok. Bon, en attendant, je reviens juste tranquillement. Je vais juste regarder s'il n'y avait pas de notice ou quoi. Ou alors... Attends, j'ai envie de voir un peu les autres parcours, on sait jamais, peut-être ça peut être très drôle de voir les autres chemins qui étaient proposés. En tout cas, la musique est bien. Hein. Wow. Hey, W Team. Wow, 100 bits, merci Bibi. C'est vrai que j'ai pas mis les alertes ou quoi sur cette scène-là. Je m'excuse. Hein. Mais normalement, quand on va revenir sur l'accueil, normalement, il sera indiqué. Donc voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment ils vont, les gens en W, là? Les winners, comme on appelle. Comment ils vont, les Wiziki et les... Et les Wii avec son beau taxi, là. Quelle direction, Scooby-Doo? Vous voulez pas qu'un W mis à l'envers, ça fait moquette, hein? Donc attention. Je connais cette chaîne YouTube. À quand le duo Wiziki et moquette, hein? Sur des réactions de Grand Prix de Formule 1, hein. Oh, damn Ocon! Oh, damn! Damn Ocon. Le duo de fou. Et ça faisait quelque chose ou pas d'aller vers là? Écoute, là je te remonte l'asiatique. Oh, la 3D, what the fuck. Voilà, je te remonte la truc, mais il y avait rien. Il y avait clairement rien. Bah moi je me suis chopé des petits gâteaux. Il est derrière nous. Là il y a combien de chemins? Deux. Voilà, il y en a deux. On peut et soit aller vers là. Il y avait rien là. Bah en bas je l'ai fait si tu veux, mais voilà, il s'est rien passé. Ouais, ça a l'air d'être vers la mine ça. Voilà, 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 voilà. Ah bah super la scène. En gros t'avais faux quoi. T'es nul en gros. Bah c'est pas très sympa. Bah bah vous êtes pas cool en fait. Vous êtes juste méchant. Sammy. Sammy, tu es vraiment très bête. Pas besoin de me renommer moquette, hein. Bah du coup ça servait à rien. Ouais, ça servait à rien. Et tu vois ça, la blague la plus drôle, c'est que je me suis dit je vais quand même fouiller un peu les autres endroits du train, on sait jamais. Et bah je suis allé au bazar et j'ai trouvé l'huile. J'ai trouvé l'huile. Bah on pouvait rentrer dedans? Bah j'ai cliqué sur les plaques et celle qui était coincée, j'ai pu réussir à l'ouvrir. D'accord, très bien. Du coup, Hugo. On pourra se rire avec toi. Après, le truc, c'est que pour si c'est des réactions Formule 1, bon, je vais être très nul, je vais dire « Allez, japonais !» C'est tout. Allez, Tsunoda. Vous pourrez streamer autre chose. Allez, graisse-moi ça un petit peu, là. Allez. Mais du coup, on n'a pas de clé. Bah. Ouvre, Nicole. Soing. Bah. Oh, bah, il a parlé anglais, là. Soing. ils avaient pas trouvé d'idée pour la version française, ils ont fait... Soing. Avec TF1, on va juste s'insulter. Pas question d'entrer là-dedans. Ça fait vraiment trop peur, les prisons. Oh. Le feriez-vous pour 4 crocs, Scooby? Bibi, il c'est fait genre qu'il est oppressé là par tout le monde. Qui me plaît. Sinon, il faut que je te dise une vérité, mon petit Vic. Dis-moi. L'huile, en fait, je l'ai trouvée avec le train. Tu
Tu vois le passage où il y avait les deux chemins avec la mine? Justement, le chemin qui était en bas, il y avait l'huile. Et du coup, j'ai demandé à Misiki et Bibi de dire on fait croire à Vic qu'il avait faux. Ça fait une demi-heure, je lui dis d'aller là, je pète mon crâne. Allez, Scooby-Doo. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il fait 1m20, là? Il faisait 1m20. Ah, il y avait une blague. Oh. Oh. Les gars, où êtes-vous? Je m'en l'ai fait. Bien sans mes lunettes. Ouais, tu vas défendre. Hé, hey, pourquoi tu nous as enfermés, Vera? Ce n'est pas moi, j'ai perdu mes lunettes. Mince, on dirait qu'on est coincés. Comment allons-nous sortir? Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Elle a retrouvé ses lunettes, finalement. Ok, alors, bon, c'était pas très clair. Qu'est-ce qu'on peut interagir? Non, mais je vois ce que vous voulez dire, hein, en fait. Elle pourrait nous être utile. Pour une sieste. Mon gros intellect a fait que j'ai réussi à résoudre une énigme d'un jeu de 8 ans, quoi. Alors, attends. Je rêve où Scooby, il a parlé comme si c'était Samy. Il a fait pour une sieste. Genre, il a parlé comme si c'était... Plutôt W ou les autres lettres de la fée B? Attends, vas-y, je lance le sondage, attends. C'est normal si vous voyez plus le jeu, etc. Alors, attends, c'est Paul. Alors, question. Est-ce que au final, vous voulez pas savoir d'où vient mon pseudo? Parce que... Ah, bah vas-y, raconte la petite histoire, alors. Voilà, c'est compliqué. En gros, au collège, j'avais un pote, donc je vais absolument pas citer son pseudo de jeu vidéo pour qu'il n'y ait pas de problème, mais j'ai un pote, son nom de famille c'était Rocket. Enfin, son nom de famille c'est pas Rocket, mais son pseudo c'est Rocket. Mais du coup, son nom de famille c'est Roche. Donc les trois premières lettres étaient les mêmes que Rocket. Et en fait, à la base, mon pseudo vient de la pub. La mâche, ça va super bien avec la Rocket. Une pub genre de salade nulle de la télé. Ça m'a juste donné envie d'appeler mon pote Rocket. Au départ, il a pas kiffé le pseudo, du coup, il me l'a refilé. Et au bout d'un moment, il a assumé le pseudo, sauf que du coup, on avait tous les deux le pseudo Rocket. Et du coup, moi, j'ai changé pour pouvoir... Je voulais un pseudo qui pouvait ressembler un peu à Rocket. Du coup, c'était Rocket qui pouvait ressembler un peu. Et voilà, c'est venu d'une pub pour de la salade. C'est drôle quand même, hein. Parce que voilà. En vrai, c'est vrai que Rocket, je le connais, son pote, mais c'est vrai qu'il y avait une bonne relation, etc. Donc, Attends, on a vraiment 24 personnes qui ont voté, là? J'ai pété un plomb. Alors, c'est parce que j'ai mis des sondages supplémentaires. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il peut utiliser des points de chaîne juste pour qu'il montre qu'il y en a. Quoi, vous êtes 500 viewers? Mais putain, il fallait le dire. J'ai pété un plomb. Je vais acheter le truc d'Arcos, là. J'ai 1 million de crédits, moi. Une araignée Masse. Je suis en train de sniffer ce petit gâteau on dirait au un beurre. Tunnel. C'est le seul moyen de sortir d'ici. D'accord. Allons-y. Le dossier de Darkos. Histoire de fou. Bon, en tout cas, j'ai... Ah, il y a l'écho. Ouais. Oh, ils ont découvert l'effet Audacity, là. Cuisine, hein? Oula. Voilà. Il a fait le Hugo Dillard de la dernière vidéo. Hein. Alors, bah attends, c'est... Comment monter la hausse, Scooby-Doo? Aucune idée, Samy. Non, mais tu tentes des combinaisons qui n'ont aucun sens. C'est pas un tapis volant, hein. Alors, j'essaie de... Ouais, je vais vérifier. Bien vu, Scooby-Doo. Cette caisse fera l'affaire. Non, mais j'ai pété mon crâne. Pourquoi? Ça fait plusieurs fois qu'on dit, allez, il faut pousser la caisse. Le mec, il fait une fois, il fait, ah non, j'en peux plus. Hein. Pourquoi Miziki, elle s'appelle Wiziki sur Discord? J'ai pété un plomb. Bah, parce que ils ont su le délire. Hein. Pété un boulon. On est où? Au bureau de poste. Sur Twitch, je veux bien, mais... À quand The Wyand Scooter? Bah, Rocket. Pourquoi y'a Oui qui m'envoie des MP là? C'est un plomb. Ah putain, le gang des W, hein, c'est bon, hein, on a notre team CSGO. J'ai créé des monstres. À quand Wigo Geek? Attends, après j'aurais deux.
J'aurais deux mois. Lettres du... J'aurais deux mois à subir. Change le titre du stream en mettant des W à chaque début de lettre. Oh, chaque début de mot. À quand Vus et Vorto. Ouin qui est. Where acide. Where acide. Genre where is l'acide. Ouais, c'est qu'on a vite tendance à vite partir sur un accent qui peut nous porter préjudice par la suite. Ouais, c'est pour ça. Ça va faire une app Willow. Ça fait une WAPB Willow. Hugo, allez. Et en vrai, je suis prêt à faire pour le Discord au moins. C'est Rook Zero. Comment dire en anglais, bien sûr. Ouais, j'ai gagné la nappe. Je me demande si ça va. Non, mets-leur sur la tête. Jetons la couverture sur ces serpents. Ouais, c'est tellement un moyen de. T'imagines, les serpents, on les entend dire oh, je meurs. C'est tellement un moyen en vrai d'énerver les serpents qu'ils voient plus rien. Voilà, juste pour récupérer une lampe. Hein. C'est une lampe. T'as apporté une lampe? Gardons-la. Elle nous sera bien utile quand il fera ce. La nouvelle version. Non. Non mais c'était une nouvelle version. Oh, le mec premier degré. Oh. Alors c'est pas la référence. D'abord tu dis tout simplement. Déjà la cinématique ça commence. C'est sympa la princesse Peach de nous avoir mené au château. Hein Luigi. On sent qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici. Je me suis dit mais c'est pas ça dans Wario et Luigi. Il y a Wii qui fait la propagande pour Max Verstappen dans MP, j'aime ça. Wax Western. Pour Wax Verstappen. Popopola, Wax Verstappen. Popopola. Bon bah du coup, c'est les W qui ont gagné avec 505 et avec 620 points de chaîne en total. Hein. C'est une victoire écrasante. Dites à Internet de tous se renommer avec des W, le sondage d'Hugo a parlé. Squeezie va se nommer en W Squeezie. Wixie. On dirait une façon de dire. Ah, je suis pas raciste, mais. Wow, tout le monde, c'est Wixie. Comme si je ne le savais pas. On a besoin. Qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Trouvons de la lumière. J'ai de la lumière là. Où Ellis, où Hamilton. Tu es sûr ? Oui, Prien. C'est insupportable à dire. Attends, j'ai petit rototo. Ah d'accord, ça c'est fait du coup. Bon. Wookie, Tsunoda. Le pilote préféré d'Hugo. Le mec il explique ma blague. Oh attends, il y a une grotte là. Qu'est-ce que je pensais ? Il existe une autre sortie dans ce tunnel. Voyons où cela nous mène. Warman, vous priez. Warman qui est actuellement en Wildland. Oui, Owen. J'essaie de dire un nom d'un youtubeur. Wolsiol V12. Oh bah le cimetière, bah, il était là le. Nous devons trouver la tombe que le fantôme inspectait. Faisons quelques fouilles, nous trouverons peut-être quelque chose. Warman qui va en Wildzone. Je ne sais pas. Pas question. Non. Nous n'entrerons là-dedans pour rien au monde. D'un autre côté, si tu en as quatre, on pourrait changer d'avis. Allez. Heureusement qu'on en a fait une cinquantaine. Hein. Heureusement que tu leur as mis ce qui méritait un petit peu. Là. Bah oui, je suis sûr. J'ai envie de le dire avec des accents. Bah moi aussi, c'est ça le problème. C'est que la blague peut être drôle, mais si Twitch n'apprécie pas ça, c'est surtout ça, quoi. Ça peut vite être un Rasta Rocket Land, quoi. Ouais. Oh non, me dis pas que je dois tout recommencer, là. Revenir dans ma vie, tu dois tout recommencer. Allez, l'équipe, on y va. Pom, 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 pom. On va retourner à la mine. Waniel Wicardo. Vous pensez quoi de Waniel Wicardo avec sa petite moustache? Parce que c'est l'heure. Personnellement, c'est boulot, mais bon. La ville des fantômes. Pas de bêtises. Il doit y avoir une bonne raison. N'importe quelle raison me convient. À moi aussi. Allons, les amis, nous avons un mystère à résoudre.
Je le bouffe la moustache. Oui, Colas, what if he, le bot. Putain, insupportable, me péter le plan. What if he... J'étais en train de... J'étais un peu con, mais après, je me suis dit, ça peut être très drôle. Imaginez, le nouveau groupe de musique revient. La what if W. Mmh. Vous êtes contents, mmh, le chat, ils sont de retour. What if B. What if W. Bah, merci d'expliquer la blague. What if, mmh, c'est ça, la team. La voiture. La voiture. C'est Wow Erection. Hein? Bizarre. Warkos. Warkos Wow Erection. C'est Wow Erection, bizarre. Ah, mais c'est trop. Allez, retour à la case départ. Hein. On va citer, on peut faire tous les citations. Westero 94. C'est sa version, mais cowboy, c'est Westero. Super Prika Break, en vrai, le tout premier épisode, l'épisode 0, c'est des jeux de western et avec un scénario dans le western. Hein. Je colle. Hein. Restons ici. Ok, Scooby-Doo. T'as quoi, un live chat GPT, la quête de Westero? Avec vos estomacs. Nous et encore, pour te dire, j'ai encore le route, le chat GPT où on a donné un scénario à Darkos qui devient Spider-Man. Hein. Bon, bah, il change tout. Je vais le dire. Oh putain. Et tout ça grâce à un live de Scooby-Doo, hein, je tiens à mentionner. Il va recevoir des MP en mode change ton pseudo tout de suite, sinon je te soulève. Sans je te fais ce qu'on doit faire à Norris, quoi, on va le défoncer. Ouais, parce que bon, moi, le seul truc de la formule que je connais, c'est que pas mal de gens n'aiment pas trop Norris. Voilà. Wando Worris, tu veux pas? Oui, plutôt, je veux dire, ouais, Worris. On dirait un peu une déformation de dire Maurice, tu sais. Worris, le jour où il arrive à gagner une course, c'est l'exploit du siècle, hein. Bon, attends, je vais regarder avec la fenêtre parce que là, ça fait la troisième fois que je me foire, là. Hugo, il va regarder une soluce. Landos, no win. Ah, le bâtard. Alors, il manque les W, je crois. Ah, le bâtard. Pourquoi cherche-t-on à nous chasser hors d'une ville fantôme? Parce que c'est leur ville, la ville des fantômes. Pas de bêtises. Il doit y avoir une bonne raison. On plus de win que à moi, oui, elle si. Le... Allons les amis, nous avons un mystère à résoudre. Aïe aïe. Voilà, dealer, voilà. Il y en a une, elle est en mode règlement de compte. Bon, le chat, voilà. Tu sais, c'est comme si par exemple on faisait vraiment un stream où on faisait juste une vanne sur la gauche et la droite et quelqu'un disait ouais mais Zemmour quand même. De toute façon le meilleur pilote d'Alpine c'est ou Hernando ou Alonso, donc attention. Ouais, attends. Je vais regarder par la fenêtre. Là, j'ai lâché une embrouille, t'as peur. Je vais regarder par la fenêtre où il y a des tas, parce que je crois que ça montre... Le cavalier masqué. Il creuse par ici. Ok, je vois où il a creusé. C'est à gauche. Il faut trouver un accès au cimetière. Et si cette tombe resserrée... Mais on a l'accès au cimetière, c'est juste qu'il faut trouver les trois pierres tombales aussi. Voilà. Tu veux dire West Upon double con. Le what? Putain, c'est horrible à le dire parce qu'en fait, c'est vraiment tu exagères avec l'accent, quoi. On sait que l'accent peut vite partir, donc c'est ça le problème, quoi. Ouais, tiens. C'est ça le problème, c'est que ça peut vite partir, quoi. Alors, heureusement qu'on va pas au saloon pour le voir, l'autre. Genre il a bégayé. J'essaie de le dire sans un accent, mais ça c'est pas possible en fait. Bah c'est comme pour la même chose pour une autre communauté où bah tu peux pas faire le Michel Leb comme à l'époque, quoi. Ok, c'est pas lui. Regardez, je pense qu'il faut fouiller un peu mieux le cimetière pour retrouver, je pense. Tu veux mettre Westeban Wokon dans ton Wii? Bizarre. Mouezma Wawok. Insupportable. Ah putain, t'as créé un délire, c'est bon, hein, c'est foutu.
J'ai rien créé du tout. Moi, j'ai juste un pseudo avec un W à la base. C'est eux qui sont énervés tout seuls dans le chat. Là. Ok, Scooby-Doo, on chantera autour du feu de camp. Oh, le chat de Gaulmont. Pas mal ton warpé. Cessez de penser avec vos estomacs. Nous avons un mystère à élucider. Vous pétez un plomb. Un pseudo que j'ai trouvé il y a 12 ans est en train de créer un délire dans le chat 12 ans après, quoi. À quand le rouillapé? À quand le rouillapé? C'est impossible à dire sans un accent qui peut paraître un peu créole slash raciste. Non, oh, le rouillapé, mais avec que l'accent raciste et avec que W dans les prénoms. Le rouillapé. clipé. Wokette le raciste. Il a pété un plomb. Il a APP ou Willow. Wipé. Non mais le problème c'est que quand tu mets un W ça part, quoi. Wiplay. C'est qui le fautif? Est-ce que c'est la personne qui demande à quelqu'un de tuer quelqu'un ou c'est la personne qui le tue, tu vois? Ça fait réfléchir. Ah, ça fait réfléchir. Bon, du coup il faut tourner à droite. C'est ça. Alors là. Ou alors. Ok, bon bah. Ah bah tiens, il y a marqué presque Henry. Ça veut dire que c'est Henry Stickman, on va déterrer mon projet là. La tombe que Atomic Fridge raciste, point d'interrogation. Pour voir ce qui se cache là-dessous. Péter un boulon. Ou alors là. J'ai pété un plomb à chaque fois. Ça donne juste. Enfin, c'est même pas ça donne envie de faire un accent bizarre, c'est ça fait un accent bizarre naturellement. Et elle est peinte, tout comme celle du bureau de poste. Nettoyons celle-ci pour voir de quoi elle est faite. Il nous faut de du coup, je suis rien à l'histoire à cause de vos conneries là. Le vieil abreuvoir. Ah bah, allons retourner voir le shérif. Oh, oui. Ah putain. Vous aimez bien Wotowolf? Le Wibra. Le Wibra. Wik. Ah, Wrak. Le problème, c'est que tu peux pas le dire. Wanri. Wanri. Don't worry. Be happy. C'est impossible à dire. Wokette le raciste. Supprime-moi ça. Les modos, supprimez ça. Non, mais c'est qui, je te passe mon. Ma. W5 pour. Oui. Ah putain. Ah bah tiens, y'a plus le shérif ici. Bizarre. Non mais. Non mais je vous vois venir, vous essayez de créer des embrouilles. Vous savez que j'aime trop les accents. Cela doit être une partie de l'or dérobée par le gang des maçons. Le gang des maçons? Attends, mais y'a un truc que j'ai pas suivi là. Le gang des maçons. Oh, merci, mon. What? Oh, super. Bon travail! On te suit à 100% à distance. C'est certain. Péter un plomb, on essaie de me piéger ce soir. Alors. Le souci, c'est que les fontes, les livres, etc., je sais pas qui ça peut obtenir. Parce que c'est sûr, il y a la chérie. Attends, mais la carte, c'est une carte de quoi? De la bibliothèque. Attends. De l'université. Attends. Elle signale un passage par le tunnel. Voilà. Bon, ça c'est ou artefact. Tu veux dire plutôt ou artefact. Ou artefact. Attends. Un exemplaire du magazine Conte de l'au-delà. Quelqu'un aime les fantômes. Ah mais bon. Un livre intitulé. Bah la carte, c'est pour la pour le gars de. De la. Après, attends, 1001 évasions, ça a l'air un peu pour le flic aussi, tu vois. Un livre intitulé 1001 évasions. Quelqu'un essaierait-il de devenir magicien? T'as des persos? Genre, Jenny Bigou, on l'a vu une fois, je me rappelle plus qui c'est. Bah pareil, on a parlé, c'était à des états, j'ai pas suivi. Putain, je peux même pas quitter, quoi. On est obligé de deviner au pif, là. Donc là, c'est la fin du jeu. Ouais, là, c'est la fin du jeu. Bah, de toute façon, la carte et la classe d'archéologie, c'est pour Watibule. Watifact. C'est pour Watiwak. Mais après, tu vois, le 1000 et une évasion, je suis sûr que c'est un truc un peu au flic, tu sais, pour dire « Ah, c'est bon, je sais comment m'évader, etc. » Tu vois. Parce que l'étoile du shérif. L'étoile du shérif, c'est pour le shérif. Ouais. Je suis pute.
Attends, on va écouter quand même la carte. Cette carte vient de la bibliothèque de l'université. Tu vois, ça c'est pas... passage par le tunnel. C'est pas... Ça c'est pas compliqué. C'est pour le gars de l'université, donc... artefact. Serait-il de devenir magicien ? Un exemplaire du magicien, magazine Coupe de l'au-delà. Quelqu'un aime les fantômes. Écoute, pendant que tu fais réfléchir ton gros cerveau, je vais me chercher une bouteille d'eau, je reviens. Pas de soucis. Ah, parce que là, je pense pas du tout. De toute façon, il y a des détracteurs dans le chat qui essaient de faire de me descendre, donc je reviens. Bon, attends. Attends, je reviens à ce que vous avez marqué quand même. Hein. Il va vomper. Ah putain. Eh, demain, Bibi, si on fait vraiment Outlast Real et qu'on est à 4, vraiment, pour Wizard, il va. On va dire. Wizard. alors attends. On a de quoi faire descendre. il va me bon. Bon, alors. Parce que le truc, c'est que Jenny Bigood. Je sais pas si elle lit des livres ou etc. Et je viens. Alors, ouais, ça m'a l'air tellement artifact parce que. Déjà, la liste des élèves. La carte. Mais voilà, j'ai. Pas d'autres indices à ce sujet, quoi, parce que ça vient de l'université, donc si lui c'est le professeur, je vois pas trop. J'ai peur que je me trompe à tout moment. C'est possible que c'est le shérif, parce que vraiment l'étoile du shérif, ça peut être lié, donc ça veut dire qu'avec 1000 et une évasion, c'est pour lui. Je réécoute, hein. Un exemplaire du magazine Conte de l'au-delà. Quelqu'un aime les fantômes. Un livre intitulé 1000 et une évasion. Quelqu'un essaierait-il de devenir magicien? Cette carte vient de la bibliothèque de l'université. Elle signale un passage par le tunnel. C'est la liste des élèves du professeur. Tous les noms sont barrés, à l'exception d'un seul. Y a pas de juif. Attends. Oh, attends. Oh si. Attends. Oh. Attends, Julien. Évidemment, Julien, il est là. Oh. Et vu que lui, il était... Oh, attends. Oh, la dinguerie, attendez. Je pense savoir un truc. Il a fait le même du mec qui se tient la tête. C'est vrai. Julien, il est absent. Oh, mais putain. Mais oui. Julien, ouais. Il a... Ah, putain. Attends, je vais expliquer l'indice à Vic. Enfin, à Wick. Quand il reviendra. Ah putain, mais ce détail à la con. Parce que en gros, vraiment, quand j'ai vu les prénoms, je me suis dit, ouais, ok, tranquille. Et finalement... Alors voilà. Vic. Comment ils vont ? Vic. Ouais ? Tu veux savoir un gros cerveau que je suis ? Regarde. Vas-y, okay. Dis-moi ton big brain. Ok, alors, tu vas me dire... Ok, c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Regarde. Tu vois, t'as tous les comptes, etc., tranquille. Mais regarde ça. Classe d'archéologique. Tu diras tout simplement, oui, c'est artefact, on sait. Mais regarde, tout est barré. Marqué Julien. Et le seul Julien qu'il y a, c'est le Julien du milieu. Donc je pense clairement c'est Julien. Je comprends mieux pourquoi c'est effrayant. Parce qu'il faut bien analyser les prénoms. Son grand front... Bah du coup, c'est toi le coupable. C'est bien, sur chaque épisode, ça va être ça, hein, ça va être... Bon, le prochain, le Sphinx, s'il n'y a pas une ressemblance, il n'y a pas quelqu'un qui me ressemble. Calvasman, comment ça, Calvasman? T'es chauvophobe, mon ref? Allez, je vais voter Julien. Je vois que ça parce que le shérif, ça peut lier, mais vu qu'il y a la carte, et surtout que vu que c'est un peu une carte qui vient de l'université, et Julien, il doit peut-être venir des étudiants, voilà, je pense que c'est lui. Non, mais je vois. Retirons-lui sa cagoule. Il est temps de voir un fantôme. Professeur Fact. Mais quel connard. Il y a marqué Julien et tout. Tu t'es fait avoir. Le professeur Fact. On a flop. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Nous avait berné. Attends, tu sais quoi, on va faire un montage. Oh mon dieu, c'est le professeur. Je le savais. Tous les noms de vos élèves étaient barrés. Vous les faisiez fuir un par un. Et vous avez certainement utilisé 1001 évasions pour vous enchaîner. Eureka! Non mais genre... Attends, mais on était censé se rappeler qu'il s'était fait enchaîner il y a 6h30 de gameplay là. Content que vous ayez eu notre message. Heureux de vous voir les enfants.
Alors, c'est notre voleur d'or? Sans aucun doute. Et notre... De son final, on l'a arrêté, c'est aussi. Plus important. Le gang des maçons. Bah oui, mais j'ai le seum que ce soit pas Julien, quoi. Julien, c'est le seul qui n'est pas paré. Le gang des oiseaux. Oh, le Julien, là, je vais le taper, hein. Dérober l'or et le cacher dans le cimetière. Allons-y, mon gars. Tu vas avoir pas mal d'explications à fournir. Oh, t'es mal tarpé. Cet or qui aurait pu être à moi, rien qu'à moi. J'aurais eu tout l'argent nécessaire à mes recherches. Une vie au service de la science. Vous voulez dire au service du crime, hein, mais le crime ne paie pas. Mon plan était parfait. Il aurait marché si vous ne vous en étiez pas mêlé, bande de petits fouineurs. Ah, oh, fouineurs. De winner. Putain, on a fait on, le jeu, on l'a sub 2 heures. L'affaire réglée, non? Bah, c'était la même durée, je crois, pour le premier. Et toi, Samy? Le speedrun. Apaisez vos âmes. On est en plein désert. Tu veux dire qu'on veut, tu veux qu'on apaise nos wams? Qu'est-ce que c'est? On dirait le bruit du cavalier masqué. Impossible. Ça se rapproche. Donc là, vous avez perdu un jeu 8 ans. Eh oh, c'est ici qui? Enfin, oui, c'est qui? J'ai entendu dire qu'il y avait une super crêperie à El Seco. Non, mais les enfants de 8 ans, ils sont plus intelligents que ce qu'il faut croire. Oh les bébés! Oh les bébés! Oh les bébés! Ouais! 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 Combien de puces faut-il? On a flop! C'est, hey, je m'en fous, hein, mais j'étais vraiment plus intelligent. Parce que un sérieux Scooby-Doo, c'est sûr, c'était forcément le professeur. Mais moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, le seul qui est pas barré, c'est Julien. Bon, on m'explique quand même la logique. C'est Julien, chiasse ou quoi? Oui, bon, après, Bibi qui fait ouin ouin, mais bon, Bibi va faire moi, je dirais que c'est la meuf, hein, parce que bon, hein, moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà, quoi, hein, je pense clairement que... Je déteste les femmes. Oui, oui, avec son beau taxi, il va se calmer, là. Bon, bon, on a flop, je suis désolé. Ouais. L'année dernière, on était meilleurs. Bah, après, la dernière fois, je me souviens plus quelle difficulté on avait pris, hein. Hugo qui dit le fois, y avait en 2018. Bouffe. T'as pas de preuve. Regarde, déjà j'étais vice-président à Chenery à cette époque. Hugo oh, Paz. C'est Hugo Paz. Mais ils ont des faux noms là, non, c'est des faux noms. Hein, Hugo, il y a qui à Paris? Bah, il y a. Kenny Wu. Alors non, c'est vrai qu'on peut pas le dire, c'est vrai lui. Le Y et Jay-Z. Voilà. Il y avait eux hein, en concert, je crois. Voilà, c'était la blague de Bibi. Ok, ok. Bibi qui s'était piégé. Il m'a eu avec avec le Wu IRP. Ah, chef du procès, c'est Hugo Roca. Bah, dis donc, il y a beaucoup d'Hugo. Oh lolo. Ah, et du coup, après, ouais, je reviens au menu. Si je dis, on va avoir besoin d'aide pour résoudre cette énigme. Ah, ça, et d'un autre clip. Et tu ne peux pas taper ton nom avant de commencer. Bon, voilà. On a bien foiré cet épisode de Scooby-Doo. À bientôt. Excusez-nous. Ah bah, j'y peux rien. Moi, j'ai réfléchi de façon adulte. Vraiment, à dire, il y a un seul qui n'est pas barré, c'est Julien. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit qui d'autre? Genre... Écoute, on a peut-être perdu, mais vous avez gagné des dossiers problématiques. Ouais, maintenant, la CSPOD, je vais l'appeler là où on... Vas-y, rompe-moi. C'est voilà. Raciste, ça. Non, c'est juste très fort, celle. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise de plus? Bon. Du coup... Ah ouais, en vrai, je rigolo. Ouais, je rigolo. Après, c'est les jeux de base, c'est ça. Jasté, Woodless Free. Ah bah, j'ai pas tout retenu du scénario. Bah, en gros, il y a, pour résumer la fin, de façon simple, le fantôme, il avait colorié des briques pour faire cacher les lingots d'or pour qu'il puisse récupérer ses lingots d'or pour les vendre et gagner de l'argent. Voilà. Et plutôt que prendre le temps de les repeindre, il aurait juste pu partir avec. Vic. Déjà, la feuille où il y a marqué Julien, on m'a pris pour un con. Donc, ce que tu as dit, c'est vraiment très con. Parce que sinon, il n'y aurait pas de jeu. C'est vrai que j'ai peut-être voulu donner
un côté intellectuel à Scooby-Doo. Bah pareil, moi aussi. On est, c'est vraiment. Non mais en fait, vous comprenez pas, c'est qu'on est trop intelligent pour le jeu. Ah putain. Bon. Regardez, il a fait. Hugo, il avait terminé le jeu avec Enigme là. Comment ça s'appelait? Ah, avec là. Talos. Ouais, regardez, il a réussi à terminer avec son gros cerveau. J'ai pas encore terminé à 100%, mais il me reste quand même 3 seuls niveaux quand même. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup galéré et j'ai juste, je dirais dans le tas, triché une seule fois, c'est tout. Juste pour un niveau qui m'a vraiment cassé les couilles. T'as triché, mon ref ? Ouais, mais une seule fois, ça va, pas sur les 500 niveaux non plus. J'ai wishé. Oh là, coupe, là, il y a des problèmes. Alors ouais, c'était rigolo, retrouvez-nous l'année prochaine. Ouais, et peut-être avec, Max, Inspecteur Dubois, Sérieux K.O. ou compagnie. Avec Wooby Woobidoo. Avec Winspector. Ouah. J'ai hâte, et moi. Non mais vous... Vous, je vous parle plus, vous avez créé des embrouilles avec des W partout là. Bande de wassistes. Ah putain. Voilà. Bon, voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. Normalement, le prochain, ce sera le Sphinx qu'on devait faire cette année, mais sauf que Max n'était pas là. Donc, on prévoit l'an prochain. Et si je chope d'autres CD des autres jeux, parce que comme j'avais dit au tout début, c'est que Abandonware France, ils avaient que le premier et il m'en fallait les deux. Et les deux sont encore dispo dans des magasins, des trucs comme ça, donc je vais essayer de récupérer les deux. Mais grâce à un lecteur CD. Oui, bah j'avais déjà montré. Moi bon. J'en ai un aussi. Après, si j'arrive pas à trouver dans tous les cas, il y a ça. Scooby-Doo 2. Voilà. Bon, du coup, pour ce qui est autre chose, sinon, demain, Outlast Real pour découvrir la map, pour de vrai cette fois-ci. Pas de foutaise. Et puis voilà, je vais lancer une musique au fond et ça va jouer les alertes. Merde, ma caméra s'est déconnectée. Ma caméra, t'écoute, t'es fait du genre. Mince. Du coup, c'est drôle, on est, t'es juste choqué. Oh, il est beau, mort de rire. Bon, ça y est, les gens, vous pouvez screen, hein. Je pense que ça peut faire une émote pour sa chaîne. Je suis walké. Bon, allez. Je vais lancer la musique. Alors, attends. Je vais voir si je peux choper une bonne musique. Ah, celle-là. Allez, je vais revenir quand même sur la First Contact. Allez. Ah. Voilà, banger celle-là. Allez. Du coup, on se retrouve demain pour Outlast Real avec Wizard Poichiche et Bibi. S'il a bien téléchargé. Voilà. Allez. Et oui. Donc, barre de... Pas mal, allez, je vais arrêter avec ça. Allez, passez une bonne soirée et on se retrouve demain pour Outlast. Allez, bisous. Non, oui, c'est vrai, j'avais oublié ton nouveau pseudo. Oui, allez, à tout à l'heure, enfin, à demain, oui. Allez, salut. Et Wannard de la part de Cage. Allez, hop.